Bonjour YouTube. Vous avez vu, c'était un peu intense émotionnellement. Ça va de fou, trop bien. Coucou YouTube. Ah, Nina te dit bonjour aussi. Ce qui serait rigolo, c'est que tu regardes cette VOD genre dans quelques années. Et toi, comment ça va YouTube? Dis-le moi dans les commentaires. Je suis pas très bonne en ça. Hein. Allez, je crois qu'on devait. Je vais me répondre par commentaire YouTube. Exceptionnel. Ah, un vrai plaisir. Incroyable. Oh, attendez. Il y a deux, trois petites choses. Paf. Boum. Il y a Dadouce ici. Et puis, vous vous rappelez de ce qu'on faisait, donc des textures. Comment qu'elle va? Alors, elle est épuisée. Comment t'es épuisée? Pourquoi t'es épuisée? Dis-moi tout. C'est par rapport à ce que tu nous disais, c'est-à-dire que t'as beaucoup, beaucoup de choses à apprendre au niveau des œuvres, notamment. Et bien, c'est un tout petit peu le son de la musique. Parce que moi, j'ai fait une insomnie cette nuit, et du coup, j'ai un peu... J'ai un peu le crâne en capote. Capote. Très bien. Allons sur la bonne scène, si vous le voulez bien. C'est surtout les masters. Et j'ai des tas de dossiers à faire. Ah ouais. C'est pour être accepté après en master, c'est ça? Après ta licence. Ouais, ouais, ouais. Bah du coup, t'es dans la même phase que Charne un peu. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait fait une lettre de motivation et tout pour avoir un stage dans... Putain, imagine, hein, tu fais une lettre de motivation pour avoir un stage à presque 30 ans, c'est... Wow! Dans quel monde vit-on? Wow! Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Pas le drapeau de l'Espagne, enfin! Vous avez confondu! Ok, ça marche, Nina. Bah, repose-toi bien sur le chat. Les dossiers, c'est LDM, CV, texte de critique d'art, lettre de recommandation, projet de recherche de mémoire. Mais c'est exceptionnel, le fait que, genre, il y ait 8 millions de listes. exceptionnel. Ah oui, d'ailleurs, faut que... Alors, j'ai lancé le bot ou pas? Je crois que oui. J'ai double-cliqué dessus, en tout cas. Ah, il y a une erreur. Bon. Je vais dire au support que l'astrobot est hors ligne. Et HS. Il se lance pas. Il met une erreur. Sunshine. Ça, c'est Charles qui arrive, non? Ce serait pas... Ce ne serait pas la plus belle? Deux, bien sûr. Car il y a Nina! Alors, quoi de nouveau depuis le temps? On s'amuse. Oui, je vous ai communiqué, toutes les deux, vous êtes dans la même phase. Vous êtes dans la même phase. Pourquoi est-ce que t'es la plus belle d'eux? Parce qu'il y a Nina qui est venue en premier. Et du coup, je lui ai dit que c'était la plus belle, il faut pas que je mente. Du coup, vous êtes toutes les deux les plus belles. Vous êtes toutes les deux les meilleures. Ex aequo, premier podium, première place. Et du coup, c'est chiant là que Astrobot ça marche pas. Vous voulez que. Premier. Vous savez que j'aurais dû laisser le Moobot hein, en place. Je me dis que la commande Allo du Moobot, j'aurais dû la laisser active. Enfin, tu sais, ou alors la désactiver juste. Pas la supprimer quoi. Aïe aïe aïe. On se fait chier hein. Ouais, parce que genre... Ouais, non. Hein. Ouais. Vous voulez qu'on refasse la commande rapidos? Ouais, je les supre. Non, mais du coup, je vais la refaire vite fait. Je la refais vite fait, YouTube. Ne t'inquiète pas, enfin, c'est déjà une VOD. Tu sais, d'accord, tu sais. Si jamais tu regardes mes VOD régulièrement, tu sais. Voilà. Non, parce que moi, je les vois, les VOD, avant de les poster. Et je me dis à chaque fois... Ça ressemble pas à des heures de travail, ça. Ça ressemble à quelqu'un qui fait semblant de travailler, je reconnais.
tes bras. Ok. Create. Allô. Et on va la create et elle va s'appeler. Ah oui. Aléatoire. Frérot. Allô. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon clavier? Random text. Allô? Non mais je vous jure que... Ok. Random text 1. At user ou scène de commande. Ok. C'est parti. À l'huile. Ah mais faut que je mette une mage. Merde, comment on fait pour c'est pas grave. L'abordage. À l'eau, à l'huile, à l'abordage, à la tomate. 15 à l'huile. Ah, tu sais, en plus, t'as été souvent sur le podium, là, ces derniers temps, et j'étais en mode... Ah, la pauvre, elle voit même pas que son horoscope est génial. Je suis contente de pouvoir repasser. Oui, oui, oui. Ça va, ça va. Oui, Charne, elle est dans les phases d'envoi de dossiers, je sais pas quoi. Ben, tout ça pour être au top 12 aujourd'hui. Classique. Ça, c'est classique. Je reconnais la phase. À la tomate. À l'eau. À l'huile. Et qu'est-ce qu'on avait dit? À l'hôpital? À l'aubergine. Allez les bleus. Ah quelle histoire. Ah oui. Ouais. Ah le nombre de fois où elle s'est pris cette phase là, Charme, ça se voit. À l'huile. À l'huile. À la bordage, à la tomate. À l'aubergine, à quelle histoire? Arkansas. Emoji... Emoji flingue. Je vais mettre des emojis. À quelle histoire? Petit emoji qui fait... À l'aubergine. Petite goutte. Et à l'huile, c'est le... Faut que ça félicite un peu. On croise les doigts quand même. Oui, rien de bien dingue, mais t'es quand même dans la phase de... t'as du stress parce que tu demandes à quelqu'un... Tu quémandes. Tu quémandes un emploi. Arc-en-ciel. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Ah oui, c'est vrai que j'aurais bien mis l'aigle. L'aigle, le drapeau. Non, mais en fait, je vais juste copier ce que t'as dit. C'est juste du génie. Désolée. J'ai jamais douté. J'ai jamais douté. Bon, et puis à l'huile, du coup, on a dit félicitations. Je vais même le mettre repérable de loin, comme ça. On arrêtera de me pranker à base de... Ah, mais en fait, il n'y a plus de place parce que tu as pas vu que j'avais réussi. Putain, c'est de ma famille et ça me l'a fait à l'envers. J'en peux plus. À la tomate, j'aurais bien mis un petit clin d'œil, genre... Ah ah ah. À l'abordage. Et là, c'est... Ah, avec des pirates et tout. Voilà. Et du coup, on va coller le à l'huile plusieurs fois. 1, 2, il y en a combien, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vous mets à peu près un peu plus d'une chance sur deux, un peu moins d'une chance sur deux. Bah ouais, t'aimes pas comme quémander, c'est un truc de fou. En fait, c'est genre bizarre de fou, tu sais.
Genre, personne ne fait ça dans la vraie vie, non? Genre, sauf quand je vous dis de se baisser pour arrêter d'avoir des pubs, mais coucou. Mais sinon, c'est moi avec moi-même, quoi. Genre, qui fait ça dans la vraie vie? Good morning, sunshine. Coucou, Nesta! Regarde, Yanina, elle est de retour! Fuggers. Oui, il y a plein de nouveaux sons! Alors là, tu vas voir. Coucou, Sorette! Putain! Et puis Nesta, c'est ma sœur et c'est la sœur de Charme, du coup, aussi. Par extension. À l'huile. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je suis trop con, je sais pas compter, en fait. C'est ça, mon vrai problème. Et du coup, pour... Ta gueule. Pour avoir une chance sur... Ta gueule. Non. Annoncement. Ou... Je sais pas. Je peux réduire. This is separate cooldown. From the golden cooldown, machin. Twitch chat moderators are not affected. Bah, du coup, on c'est mort. Espèce de vieille pute dégarnie. C'est beaucoup. C'est beaucoup de Kaamelott. Elle a eu la réaction. Elle a eu la réaction que je pensais qu'elle aurait. En fait, c'est vraiment genre... Oui, c'est beaucoup de Kaamelott. Oui, je sais. Je sais. Ah, c'est marrant, ça. Il y a une expiration date. Bon. On save. À partir de là, maintenant, les enfants, vous pouvez faire point d'exclamation ALO dans le chat. Essayez d'avoir votre place parmi les trucs. Mais par contre, du coup, comme c'est Moubot, vous avez de nouveau le stream de puant. Oh, à l'huile, Nesta! Arkansas! J'adore! J'adore déjà! Ok, le premier signe à avoir son horoscope aujourd'hui, ce sera donc le taureau. Mais par contre, c'est incroyable le fait que... Ah ouais, mais en fait, il y a un cooldown comme c'est Moubot. Bah ouais, mais c'est Moubot, les gars, c'est le retour de Moubot, hein. Moubot, il fait trop chier de fou, hein. Parce qu'il y a un cooldown de fils de pute. Ah oui, c'est ça qui nous faisait chier, c'est pour ça qu'on l'a déplacé sur un autre bot. Et oui. Arkansas. C'est incroyable quand même. Je prendrai des notes au pire. Oui, t'as vu passer la petite BD. Je pense que... Comment ça va? Salut Elpim. Elpim, pardon, putain, oh là là. Elle ira un saxe, mais c'est parce que, voilà, vous savez... voilà, quoi, merde. Merde, y'en a marre, quoi, y'en a marre. Y'en a marre, y'en a marre. Je viens à l'instant de voir le channel, donc pas encore. À lui, Elpim. Je sais plus de quel signe tu es, Elpim. C'est un flamant rose. Un flamant rose. Article de Blur. Elpim. Elpim. Ah oui, tu es Sagittaire! Je l'ai pas lu dans le chat. Pas du tout. Les deuxièmes signes à voir leur horoscope du jour, ce sera donc les Sagittaires. Bravo! Bravo, Elpim! Bravo, Nesta aussi, pour avoir dormi jusqu'à 10h aujourd'hui. C'est très impressionnant. Tout ce que vous faites, là, je suis fan. Charn et moi au front. Ah ouais, vraiment, hein.
Alors que Elpim il arrive, il fait allez oh et moi Bebou allez bravo. Ah putain mais je suis trop con. Attends. Si c'est ça. Le troisième signe à voir son signe du zodiaque, ce sera donc les lions. Non mais m'en voulez pas aujourd'hui si jamais je... Comment dire, je misread vos trucs. C'est que je suis complètement un saxe. Vous savez ce que ça fait, vous, de vous retrouver sur ce bureau, celui-là même, à 4h du matin, en se disant... Eh ben, quelle énergie. Et le quatrième signe à avoir son signe du zodiaque aujourd'hui, ce seront le Capricorne. Tous les signes sont validés. C'est fini. C'est fini. Pas maintenant. T'as dodo à 4h. J'ai dodo à... 5h, je crois. 5h. Et je me suis réveillée, du coup, à 8h et quelques... 8h. Ouais. Ouais, mais bon, c'est la vie, hein. Vous savez, si jamais on s'arrêtait pour chaque insomnie, on se ferait chier, hein. Vous voulez vous arrêter de vivre, moi ? J'ai fait ça 2 jours de suite. J'étais dans le mal. Ah ouais, non, mais c'est horrible, hein. Mais faut pas enchaîner, hein. C'est... Moi, je sais que là, ce soir, je vais me coucher gigato, hein. Simplement parce que je vais pas être capable de rester éveillée. Je ne peux plus faire ça à mon âge. J'ai 23h, 9h40, je revis. Bah ouais, j'imagine, hein. Aïe, aïe, aïe. Puis en plus, avec toutes tes démarches, toi, ma pauvre, tu dois être à fond dans le... Le Star System. Putain, on a mis une moumoute sur les toilettes. T'as pas vu Nina, mais... Ah oui, petite présentation pour Nina, alors. On a mis une moumoute... On a non seulement mis une moumoute, mais une moumoute léopard sur les toilettes. On a fait du carrelage, ici. On a fait des tapis. Et on a designé des billets de banque. Billets de banque. Et on a aussi fait un tapis pièce, le stress coin. Vous-même, vous savez. On a fait un petit panonceau. Ouais, ouais, ouais. Je veux, je veux, je veux. On a fait une chaise aussi. Une chaise, franchement, elle pourrait entrer en expo d'art. Ça me dérangerait pas. Avec un petit... Mais tu sais que tout ça, là, ça pourrait être réalisable dans la vraie vie. Hein. Ah, c'est fou. On pourrait faire de l'art contemporain à base de ça. Et là, on a fait une petite fleur hier. Une petite fleur qui va être vue à peu près à cette distance-là. Et du coup, c'est pas mal. Voilà. Et là, on est en train de faire le tableau de partage des quêtes. Donc, vous voyez, il y a tous les personnages, là. Ça, c'est l'icône pour les quêtes, normalement. Et voilà. Ah ouais, d'accord. Ok, c'était un bug de l'ordinateur de bord, sa voiture. Ok, donc ça va, ça c'est... Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu sais que j'ai une passion pour les chaises? Mais tu sais que moi aussi... Ok, est-ce que t'as déjà vu les chaises de mon salon, frérot? Attendez, parce que là, je vais... Non, mais en fait... Alors, non seulement pour les chaises, mais aussi, et bizarrement... Attends, je te montre ce que j'ai à la maison, mais... Vous jugez pas, hein. Vous jugez pas, hein. C'est... Comment on appelle ça, les... Les cales-livres. C'est hyper random. Ah d'accord, ok. Elle avait une batterie secondaire HS. Ok, ça roule. Ça roule, Nesta. En gros, j'adore les cales-livres. C'est vraiment ma passion. Je sais, ça peut paraître bête comme ça. Mais j'en ai plein. Genre par exemple, au-dessus de moi, là, vous voyez pas, mais en fait, j'ai la collection entière des Bleach. Et les Bleach sont tenus par un cales-livre katana. Ça là. Par exemple. Parce que c'est les Bleach, vous comprenez ? C'est des livres d'aventure en bas.
Et pour ça, j'ai des cales livres chevaliers. En vrai, c'était avant qu'elle se fasse cancel, j'ai le seum. Mais c'est pas grave, tant pis. Tant pis, j'ai le cale livre Harry Potter. Oui, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien, mais bon. Écoutez. J'en ai deux, du coup, j'en ai un comme ça et un comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Et Seigneur des Anneaux. Justement, je sais, c'est pas bien, mais on voit pas que c'est Harry Potter, parce qu'en fait, c'est des chevaliers, quoi, c'est des chevaliers d'échecs. Bon, voilà. Et j'ai un cale livre Le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai un cale livre comme ça. Et vous savez qu'en bas, ça tient mes jeux de PS4. Enfin, c'est le Hobbit, quoi. Mais c'est de l'univers de Tolkien, quoi. Bref. Voilà. Donc, en fait... Voilà. Moi, c'est les deux trucs avec les mains. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Et les deux statues avec les mains devant. Ah ouais, c'est pas mal, ça. C'est chouette. Moi, je les ai comme ça, du coup. Et c'est comme ça, tu vois. Avec les deux nains des deux côtés, quoi. Genre, ici, tu vois. Voilà. Ah, tu les as plus. Ok, ça marche. Ah, chute. Ah non, c'est dommage. Moi, je pense que si jamais ils chutent, ils sont pas morts. Hein. Putain, ils pèsent 4 tonnes, ceux-là. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Et attendez. J'ai aussi... les 4 livres globes. Je les ai comme ça, là. Attendez. Hop, c'est ceux-là. Voilà. J'ai ceux-là. Parce que j'aime trop Jules Verne. Et du coup... enfin, bref. Voilà. Vous avez l'info. Chaise et lampe. Je vous présente cette lampe. Elle est solaire. Et du coup... ben je sais même pas si jamais... Je sais même pas comment ça s'appelle. La passion, quel livre, je ne sais pas. Elle est solaire. Et du coup, et toi tu lunaire. Ah, je suis solaire et lunaire en même temps. Et en gros, vu qu'elle est solaire, je la mets derrière moi, vous voyez ici là. Et du coup, quand elle est assez rechargée, le soir, vous voyez pas, hein, mais elle s'allume de temps en temps, mais toute seule, du coup. Attendez, je vais vous montrer. Ah, j'arrive. Je suis insupportable. J'arrive. On travaille bien. On parlait du soleil, du fait que la lampe était solaire. Je vous présente, pour le coup. Une lampe lunaire. Je suis... Regardez. C'est une lune. Voilà. Voilà. Ah mais c'est une dinguerie. Et donc à la base elle était dans mon décor derrière, mais elle s'est fait remplacer par la solaire vu qu'elle était à côté de la fenêtre. Et voilà. Du coup j'ai décoré une autre partie de ma maison avec. Et voilà, sachez que j'ai une grande passion pour les cales livres. Et qu'effectivement les objets de déco, notamment les lampes, j'aime beaucoup ça. Je suis vraiment insupportable. Oui. Aïe. Ah ouais, non, vraiment, Nesta, je pense que c'est même pas tant le sommeil, là. Si, un peu. Ça bloque... Ça enlève les barrières, hein, quand même. Déjà, j'avais pas beaucoup de barrières, mais alors là, je vous parle de mes passions pour les cales livres. J'en ai un, quand même. Mais j'ai vu Charles, là, qui disait que... voilà. J'en ai trop pour avoir besoin d'un serre-livre. Sinon, j'ai les vieux taureaux en bois des parents.
Ouais, mais c'est bien ça. Les tours en bois des parents, moi, c'est ce qui m'a donné envie de collectionner. Je les trouve trop stylés. Attendez, attendez. Non, il bougeait pas, je me... Je me rappelle plus lesquels c'est exactement. C'est ça, non? Oh non, mais me dis pas que c'est ça, parce que c'est marqué... La description, c'est paire de serre-livres en bois exotique. Attention. Attention, le mot exotique. Attention. Les barrières tombent. Attention. Trigger warning, le mot exotique. Je sais même pas lequel c'est. Je vous jure. Bref. Voilà, donc on va faire le petit tableau. Vous savez, hein, voilà, on est passion. Hein. Ici, c'est la grande passion. Hein. D'ailleurs, je vais mettre le tableau peut-être en dessous du... Ouais, de ça. Ok. Ah oui, et le plastique est là. Ah bah du coup, j'avais tout préparé déjà, c'est chouette. Je sais pas exactement quoi faire en termes d'huile, en fait, par rapport à ça. Je pense que ça devrait rester relativement clair pour que ça se lisse bien à l'intérieur. Trop mignon, le petit tableau. Le petit tableau. Bébou. Le petit tableau. Oui, il est à vendre. Ah oui, et du coup, t'as pas vu l'update sur le jeu. L'update sur le jeu. Oh là là, mon dieu. Pardon. Elle est épuisée. Mais elle doit travailler, c'est comme ça, c'est la vie. Regarde. Bon, ça va aller très vite, hein. Attention, c'est 12 secondes. Pourquoi Hot Tub? Oui, ça a toujours été Hot Tub. Regarde, incroyable. Car c'est une blague, Nesta. Mais non, c'est un message que j'ai mis moi. À aucun moment... Mais non, tu peux pas mettre deux catégories sur Twitch. Et du coup, voilà. Oui, une petite update sur le jeu, du coup. Ça commence à ressembler de plus en plus à Mayday. Incroyable, non? Et du coup, il y a plein d'objets qu'on peut emballer, mettre dans des cartons, fermer, etc. Plein de choses comme ça. J'ai reçu, bien sûr, une update aussi hier. On commence à avoir même les noms et les icônes des petits trucs. Incroyable. Ça me hype trop. Oui, non mais j'ai trop envie d'emballer des petits trucs et tout. Bref. J'ai 4 ans et demi. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Mais oui, je suis trop hypée. Hein. Je suis trop hypée. C'est quoi cette merde là? Non. C'est non ça. Tu utilises Blender. Mais Nesta. Pourquoi tu poses des questions comme si c'était pas toi? C'est bizarre. C'est bizarre. Et si, il a dormi? J'utilise Maya? Je le dis à chaque fois, quasiment. Non, rien à voir, mais j'ai recommencé une île sur Animal Crossing New Horizon. Et j'ai eu la mairie éloignée de l'aéroport, l'aéroport vert et orange. Et des oranges. Je suis trop contente, bah, j'imagine. Oh, trop bien. Oh, j'aimerais trop recommencer une nouvelle île, mais j'ai jamais la passion. Et vous savez qu'aujourd'hui, à 19h, je joue
avec les potes dev à Stardew. Parce qu'il y a eu une grosse mise à jour Stardew Valley. Ouais, ça fait un mois que t'es pas loin aussi. La 1.6. Ah oui, moi aussi, je suis ultra hypée. Mais du coup, je vais essayer de le DL pendant le live, là. Parce que vous savez que cet après-midi aussi, on travaille. Hein. Vraiment, je n'ai pas touché cette scène depuis le début. Je vous jure. On a dit bonjour à YouTube et tout. Il doit être là, YouTube, genre... C'est quand on travaille. Je sais, YouTube. Pardon. Je fais un effort. C'est pour toi, hein. C'est juste pour vous. Hein. Enfin, moi, tout ça, là, je fais pas pour moi. Hein. Je fais juste pour vous. Allez. Oh, c'est pas mal, ce petit... J'aime bien. Un petit côté Spider-Man. Hein. Arrête, Steam. Tu me mets mal à l'aise. Oh, le cringe. Cringe-man. Stardew, j'aime pas. Mais... Mais t'as mis que t'étais ok pour y jouer. Il est nul, votre pote. Ah oui, non, je crois bien. Je comprends pas. Attends, bouge pas. Ça ressemble à moi quand j'imite mon chien qui s'appelle Kiwi quand il comprend pas des trucs. On lui fait tout le temps une voix comme ça. Je comprends pas, maman. Avec un petit accent, là. Il prend sa max à chaque fois, là. Ah, je vais retrouver un petit peu, là, le document. Le document, quoi. Voilà. Bah oui, t'as mis que t'avais ou que t'aimais bien Stardew Valley. Menteur. Ah, vilaine. Ah, oh, comment ça? Astro rigolo. Carole est au top. Les lions sont 10e. Aïe. Vierge, 12e. Sagittaire, 11e. Elpim qui regrette. Regrette toute sa vie. Et là, genre... Oh, waouh. Bro. Oh no. What did I do? What have I done? Pardon. J'ai 4 ans, hein. Je le rappelle. Celles et ceux qui se demanderaient, poseraient la question. 4 ans et demi. Ah oui, c'est symétrisé des deux côtés. Ok. J'aime bien ce motif-là, mais pas... De toute façon, il faut que ce soit beaucoup plus clair que ça. Bonjour, Kangaroos 3D. Excusez-moi, je... Les Sagittaires ont dégringolé. Ils étaient 51e. Non, 5e, pardon. J'en suis portable. Oui, tu l'as. Bon. Plop les gens, plop la guilde. Plop. Même Astro Rigolo dit plop. Aurélien papa, il va rien comprendre si jamais il vient maintenant. Il va être là genre, mais à chaque fois je dis bonjour à Astro Rigolo, on me dit que c'est un bot. Et là, il dit plop les gens. Plop la guilde. Ça veut dire quoi? On m'a menti? Il va plus en revenir, hein. Ça va être Terminado, hein. Terminado, hein. Hippoto. Astro, il plop. Comment ça va, Tidi?
What? Mais non, il dit pas plop. Ce serait rigolo qu'à chaque fois qu'il détecte un plop dans le chat, il dise plop. Ce serait rigolo quand même. Ça va, c'est bien tout lundi. Ça va, ça va. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, j'en peux. Sinon du reste, ça va. Voilà. Mais oui, mais une pause déjeuner. Et sinon, oui. Ah, c'est trop rigolo. Et autant un bot que je suis, Bird and Beer. Arrêtez avec vos affaires, là. C'est n'importe quoi, hein. Vous le savez que c'est n'importe quoi. Oh. Swamp, swamp, swamp. Zouin zouin. Grayscale. Non mais en fait, Angarousse 3D et Birded Beer, c'est la même personne. Et on essaye de les démasquer depuis genre 3 semaines et on n'arrive pas. Voilà Nina, t'as tout le... T'as... J'en peux plus, j'en peux plus. Ok, je vous dis... Je vous dis toutes les choses en commun, d'accord? À chaque fois... Grayscale! Pi pi pi! Non mais je suis... la taille du lore que j'ai raté. Pas incroyable non plus, mais tu sais... Juste, en gros... Birded Beer, quand il arrive, il lance une tomate. Tu vois? Et Kangaroos, il faisait ça tout le temps. Et du coup, j'étais en mode... T'as, c'est bizarre, on voit plus Birded Beer. Et depuis qu'il y a Kangaroos... Je reçois une tomate, là, le matin, comme Birded Beer y faisait, quoi. Je me dis, bizarre. Bon. Et en fait, Kangaroos, il dit, je suis vieux. Comme beaucoup de gens sur cette chaîne, mais... Un peu comme Birded Beer disait. Il y a des réflexes aussi, genre les XD, les... C'était quoi ces des bisous, genre écrit D-E-B-I-Z-O-U, bizarre. En fait... Ils ont le même cerveau. Et ils sont tous les deux devs. Et ils se plaignent qu'ils sont vieux. Et voilà. Et du coup, je suis en mode, non mais en fait, vous êtes juste la même personne, c'est pas possible. Ah vraiment, c'est vraiment étrange, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et il écrit Birded Beer parfaitement bien, sans voir le nom, quoi. Et il a plus les tomates aujourd'hui. Il n'a pas pu en lancer une, ça veut dire qu'il a essayé quand même. C'est incroyable quand même. Vous vous rendez compte, le niveau? Et donc c'est ça, c'est on se demande si jamais Birded a fait un deuxième compte. Si jamais il n'y a pas d'autres trucs, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça en fait. L'extension est de nouveau là, vous pouvez lancer des tomates. Moi aussi, je dis des bisous. Oui, mais en fait... Attends. Attends, Nina. Parce que c'est des bisous avec O-O à la fin. C'est pas des bisous avec O-U-S. C'est des bisous avec O-O. C'est vraiment bizarre. Personne n'écrit ça. Et pourtant, ils écrivent en même temps la même chose. Ça fait giga flipper. Vraiment, on dirait juste qu'il y a une seule personne derrière les deux comptes. Ça fait trop peur. Putain, mais Nesta, mais pauvre Birded, j'imagine, j'espère qu'il t'entend pas. Hein. Sinon, je screen au cas où, attends, bouge pas. J'espère qu'il t'entend pas. J'espère qu'il verra jamais ça, hein. Ça le blesserait beaucoup, attends, je screen. Je vous jure. C'est des jumeaux. Bah ouais, franchement, c'est bizarre. Bah oui, il est là, il te lit, c'est Kangaroos 3D. Non mais ça commence à être vraiment louche, hein, par contre. Oui, et vous avez été finalement en même temps sur le chat ici
et sur Discord, et du coup on sait que vous êtes deux personnes différentes, mais par contre ils ont laissé planer le doute pendant genre 3 semaines. Du coup, genre, vraiment, c'était bizarre. C'était bizarre. Attendez, bougez pas. Hop. Yo, bro. What the fuck, bro? On est des devs. Bah oui, le doute m'habite. Grave. Et même réflexion de Birdhead, même façon de penser. Vraiment bizarre. Parce que moi, je vous connais, je sais que voilà, Nesta, il est edgy. Oui, voilà, ma bite, c'est bien. Que Nina, c'est pipou. Que Charne, elle est en mode... comme ça, là. Elle est derrière son PC. Pipoudou. Et je sais que Kangaroos et Birdhead Beer, c'est un peu Nounoursland, quoi. Restons polis, je vous prie. Retournons au jeu. Bref. Je vous connais, en fait, je vous connais quand même pas mal parce que je vous vois écrire. Finalement, regarder écrire quelqu'un. J'ai bien dit regarder écrire, hein, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai des petites caméras et je vous regarde pendant que vous écrivez. Hmm, voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, je connais vos habitudes d'écriture et c'est un peu... C'est vraiment louche parce que je me suis vraiment fait cette réflexion plusieurs fois par rapport à Kangaroos 3D et Birdhead Beer. J'espère que tu vois mon super pyjama. Et le gosse. Ah moi j'ai mon pyjama. En fait j'ai pas envie de travailler les enfants. Faut que je vous annonce quelque chose. Ce matin j'ai eu qu'une seule envie, c'était de me rendormir. J'en pouvais plus. Voilà, il fallait que je vous le dise. Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Je travaille pas ma vie. Bah ouais, mais faut que j'avance quand même, Dadou. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Bah parce que... Je sais pas. Je sais pas. Je suis venue travailler quand même. Ah ouais, non mais c'est une dinguerie. Mais des fois je me sens coupable. Des fois je me sens coupable, je me dis bah oui mais... Par exemple hier j'ai un peu bossé, vous voyez j'ai un peu fait les VOD et tout. Je comprends pas pourquoi j'ai autant galéré à m'endormir en fait. Et peut-être parce que j'ai regardé pour m'endormir et je me suis dit bon bah... Au bout d'un moment j'arrive pas à trouver le sommeil, je vais regarder une petite vidéo ou mettre un truc en fond. Et j'ai décidé, dans ma grande intelligence, de mettre en fond une VOD. Vous savez, les VOD d'MV d'Isaac, j'en ai déjà parlé, mais en fait, c'est en toile de fond, c'est toujours les mêmes musiques, et du coup, c'est une sorte d'hypnose, quoi. Ça en est devenu une hypnose. Et j'ai mis une VOD d'Isaac, où il joue Tainted Lilith, et où il a genre triple IPK. Je sais pas si vous voyez le jeu, Isaac. Mais en gros... IPCAC, c'est genre... les larmes, c'est des bombes. Et du coup, ça fait genre le bruit, c'est pas du tout fait pour dormir. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire ça dans ma grande intelligence. Qui fait qu'effectivement, je n'ai pas trouvé le sommeil. Bizarre. Comme si vous mettiez, je sais pas, une vidéo de feu d'artifice et que vous faisiez... Allez, on essaie de s'endormir. Bah, ça marchera jamais, en fait. PTDR. Voilà, voilà. Ouais, je sais. Je sais, Nina, je sais. Je devais faire ta machine de linge depuis dimanche, mais j'ai fait plein d'autres trucs. Une nouvelle île sur Animal Crossing. Bravo. Semaine prochaine à Montpellier, je me renseigne. Ok, ça roule. Ok, tu peux transférer. Bon, bah super. Dès que t'as une adresse FR et un compte FR et un téléphone FR, c'est bon. Ok, c'est bon. Je fais le vide à l'intérieur de mon esprit. On essaye de dormir. Putain, fais chier.
En plus, j'ai l'habitude. Vous savez, est-ce que, genre, vous avez des brainworms, vous, ou pas? Moi, j'ai des brainworms. En gros, vous savez, c'est genre une image ou un son qui vous reste dans la tête, là, et, tu sais, ça tourne un peu en boucle, des fois. Et moi, j'ai le brainworm ultime, celui que, en fait, quand j'imite la bombe, comme par exemple, je viens de le faire, vous voyez Sid dans Toy Story. Vous voyez Sid dans Toy Story? Attendez, bougez pas, je vous rafraîchis la mémoire si vous voyez pas de qui je veux parler. Regardez. Voilà, alors en fait, Sid, c'est le gamin bizarre d'à côté qui défonce les jouets. Vous voyez Sid, ses animations? Oui, oui, non mais on n'a pas le son, mais c'est normal, t'inquiète pas. C'est pas grave, moi non plus je l'ai pas. En fait, quand il fait exploser quelque chose dans cette scène, il a cette animation-là. Un peu. Un peu. On va voir si jamais c'est vrai et que le truc est pas que dans ma tête, mais... Et depuis que j'ai vu Toy Story quand j'étais petite, à chaque fois que je fais un bruit d'explosion, je fais... Comme ça, et j'ai l'image de Sid, voilà, qui fait ça, là, genre... Tellement étrange. Je vous jure. Et là, je viens d'imiter une explosion et j'ai littéralement fait encore le même geste. Je vous jure que vraiment, des fois, j'ai l'impression d'être juste un programme informatique. C'est flippant, quoi. Oh là là. Attention. C'est censé être un moment triste, donc voilà. Mais incroyable quand même. Enfin, un moment triste, plutôt effrayant. Là, là. Mais vous voyez cette non, mais cette animation quand même, quand même. On peut en parler. Juste vis des de lecture, 0,5. Regardons ça au ralenti, si vous le voulez bien. Ça, là. Solide, hein. Solide gamin, hein. Moi, je pense qu'il... C'est peut-être la preuve qu'il n'est pas soumis au même système de gravité que nous. Et donc, c'est peut-être un extraterrestre. Bravo, Sid. Bref, voilà. Du coup, il fallait que je vous le dise. Parce que là, ça m'a traversé l'esprit et voilà. Ah ouais, il est à moitié désarticulé, le bro. Ah ouais, il prend trop cher. Non, non, ouais. C'est sale, hein. C'est sale. Non, non, mais c'est très sale ce qui se passe. Du coup, voilà, il fallait que je vous l'exprime. Moi, j'avais envie juste de vous l'exprimer comme ça, de but en blanc. De but en blanc. Moi, je vous dis tout. Vous voyez, je vous dis tout. De la soupe au pistou ensemble, on est beau, on est beau. Je vais rien faire. Ça sert à rien que je bosse 30 minutes. Arrête de me décourager. Regarde-les, je m'endors en stream et c'est même pas plaisant. On va aller vers là, comme ça. C'est marrant parce que en plus, on m'a dit récemment que c'était un peu moi qui me l'infligeais, en fait. Ce stress, cette façon de bosser un peu comme ça. Et j'étais en mode genre... Oui... Mais bon... Oui, il n'y a plus la neige. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants... En une heure, t'as le temps de créer un jeu. Effectivement. Je suis complètement d'accord. Bah, il a quasiment créé un jeu déjà en une heure, hein. Vous savez pas, vous, hein. Vous avez pas vu, hein.
Parce qu'aujourd'hui, les enfants, c'est non seulement la sainte Herbert Svetlana. Oh, mais hommage. Hommage. Vulfran. Mais c'est également et surtout. Non, à pas aujourd'hui l'adverbe. Le premier jour du printemps. Oui, a lieu aujourd'hui, mercredi 20 mars 2024. Bravo. C'est le printemps. Bravo. Dans quelques jours, il y a les cerisiers en fleurs. Au top du top. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas louper le live aujourd'hui. C'est le printemps, c'est le printemps. Ouais, moi je suis contente quand c'est le printemps. Contente quand c'est le printemps. Je suis possédée. Hein. Je suis possédée. Équinoxe de printemps, effectivement. Chez moi, ils sont déjà en fleurs. C'est trop beau, non? Les petits cerisiers! Oh non! Le grand bébé, les cerisiers! J'adore les cerisiers! Petit cerisier, c'est trop mignon! Ouais, ça suffit! Faut que faire quelque chose de moins créatif! Faut que tu fasses quelque chose de moins créatif, sinon on va pas s'en sortir! Ok! C'est parti. Sur ce tableau-là, c'est en rouge. Et on est censé pouvoir lire un chiffre. Pour lire un chiffre de loin sur du rouge, il faut soit du blanc, soit du vert clair, soit du jaune. Comme on a commencé avec le jaune, je propose qu'on continue avec le jaune. Allons-y. Le number pack. En regardant par la fenêtre, je voyage. Ouais, non, mais c'est trop beau aussi par la fenêtre de chez moi. Du coup, de temps en temps, je fais ça, là. Pas en live, hein. Mais dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Le live, c'est la vraie vie, mais... Oh, eh, faites pas comme si vous aviez pas compris. C'est chiant au bout d'un moment. Merde. Et là, je vais mettre le front. Ok, c'est bon, j'ai une idée. Les idées, c'est le début de la réussite. N'ai-je pas raison, la famille? Allez, Black Mask. On rajoute un paint. On va venir sélectionner tout ce qui est derrière. Donc vous voyez en gros. Il y a des abeilles. Je découvre le jeu. Mais tu sais que moi ça va me faire la même chose parce que j'y ai pas joué depuis genre 2 ans. Du coup je vais être dessus, je vais faire... Ça va me rappeler juste les séances de pêche avec Koury. Genre à l'infini on pêchait. On pêchait, on pêchait. On discutait, on en parlait de notre journée. Et on pêchait. C'était juste de la pêche. En plus, ça servait à rien parce que c'était la majoritairement des trucs qu'on avait déjà, quoi. Et on était déjà pété de thunes, donc c'était pas une question d'argent non plus. C'était vraiment juste pour pêcher. Il y a des mygales aussi en mars. Ah. 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 Ah, d'accord. Hâte. Oh non. Coucou. Je te jure. Coucou. Qui c'est qui dit coucou comme ça? Rad. Bonjour Rad. Comment qu'il va lui? Il économise ses points pour pouvoir mettre les trucs qui pètent là. Vous savez hein, qu'il économise ses points pour mettre les trucs qui pètent. Hein. Combien vous êtes dans le chat à faire ça là? Vous savez que c'est pas normal. Vous êtes malade. Hein. Vous avez une maladie. Pas moi, je suis retombée à
à 2K avec les bêtises de la dernière fois. Mais je te jure que je l'ai mis en temps fort du coup sur la chaîne Twitch. Ça, tu peux le retrouver, Nina. Je vais pas le passer maintenant. Ça aurait duré genre 30 secondes, j'aurais pu le repasser. Mais là, faut que t'ailles dans les temps forts. Faut que t'ailles dans les temps forts, Nina. Et que tu... Attends. Il y a la pub. Merde. Merde. Alors attendez, bougez pas. Hein. Sur les sites que... Ah, t'as rien trouvé ? Petite question, Minutoi, tu es une grande graphiste, modéliste 3D. Tu sais si on peut choper des cartes du monde complète en plus de bonne qualité ? Ouais, ça devrait se faire, ouais. Ça doit pouvoir se faire. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait, putain? What the fuck? Bro. Voilà, c'est ça. Ok, super. J'ai plus de pub sur Twitch en ce moment. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Le Mario phare. Voilà. Du coup, c'est ça. Le temps fort, il s'appelle Coucou. Et tu comprendras la ref. Voilà, très rapidement, je pense. Hein. Ce sera pas... T'auras pas besoin de faire tout le toute la vidéo pour comprendre. Mais dans le doute, tu peux faire ça si tu veux. Tu verras, ça met un petit mal de crâne si jamais t'es sensible à ça. Alors, on verra. Ok. Est-ce qu'on lit bien les chiffres de loin? Je crois que oui. Hein. On les lit bien de loin. Comme ça, c'est parfait. Ok. Je regarde ça juste après. Ah, vraiment, je te jure, c'est... C'est intense. Je crois que le mot, c'est intense. Quel enfer, putain. J'arrête pas de bouger la jambe, la gambette. Faut que je me calme un peu sur... J'ai des impatiences, en fait, on appelle ça. Truc de gamin hyperactif, là. Secoue la jambe, là. Pourquoi ça marche pas? Bah, j'ai mis une hate là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, il est perdu avec les UV. Ok, ça marche. Bon, on enlève la hate map, là. Ok, tu cherches quoi comme type de carte? Relief et photo satellite. Horrible les impatiences. Ouais, c'est... Une map 3D d'un jeu. Ah! Mais ça, tu peux la créer directement, ouais, en plus. Excuse-moi, je suis éclatère, mais je vais regarder, attends. Non, mais je vais pas regarder, sinon on va jamais avancer, les enfants. Je suis désolée, Nesta, je regarderai plus tard. Mais en gros, oui, tu peux même la créer toi-même, ça. Non, mais je veux dire, avec des logiciels faits pour. C'est pas à toi, tu crées, enfin, t'as juste à cliquer là et à faire ton dessin, et après, ça marche. Et tu peux l'auto-générer sur Unreal, tu peux faire plein d'autres trucs comme ça. Mais ouais, ça m'a l'air pas mal là. On va laisser comme ça pour l'instant pour ce pack de textures là-bas, il m'emmerde. On va aller par là par contre et puis on va gérer, hop. Je vais rouvrir le Canva. Jamais utiliser quoi que ce soit. Map.
Hop. Touch some grass. Comme tu de rire. En vrai, je suis sûre, enfin, par exemple, mapping, et tu peux même pas la générer avec ChatGPT au pire. Gaia, je trouve pas. Moi, j'ai DL Gaia et j'ai fait un terrain dessus, hein. Ça se fait. Ça se fait. Je suis... Ah, mais putain, c'est des modèles 3D, tu parles. Mais oui, mais du coup, Gaia, il est fait pour ça. Moi, j'ai fait un modèle 3D sur Gaia pour ça. La ZBrush aussi, qui peut t'aider à faire ça. ZBrush. Ouais, j'ai fait un terrain sur Gaia, ouais. Ouais, sinon, il y a les procédurales. Ouais, Gaia Pro. Tu peux learn aussi. Si jamais t'as besoin, tu sais, tu fais la, tu prends la version free, tu vois, pour des tests. Franchement, ça fait bien le taf. Hein. Et après, tu regardes un tuto sur Gaia et c'est bon. Terminado, tu sais comment faire. Bravo. Bravo. Ok, bon, les chiffres, c'est fait. Je pense qu'on va passer au pack qu'il y a là. Du coup, on va commencer par les trucs les plus faciles. Hein, parce que franchement, la tête dans la nuque comme ça. C'est simple, avec Gaia et gratuit. Ouais, pour la version de test, ouais. Après, si jamais tu veux version... En gros, pour les vraiment hautes qualités d'export, il faut payer. Mais bon. Et voilà. Sinon, dans Blender, ouais, il y a Landscape. Ouais, franchement, j'ai utilisé Gaia et c'était d'une facilité déconcertante. Donc, c'est chouette. Bon, bah voilà, bah du coup, prends Gaia en version gratuite, et puis voilà. Tu seras tranquille. En plus, franchement, on a pour peu de temps, quand même. J'ai écouté Kangaroos 3D. Je ne vais pas mettre de 1. Faites-moi confiance. Ok. Je suis intenable. Mais je le sais, au moins je le sais. Arrête pas de vous dire ça, mais je vous promets, je vous promets. C'est ça là? Ah oui, c'est ça. Attendez. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bien ça. Donc, c'est le trou au milieu que je veux faire. Voilà. Et... je trouve pas la version free. C'est learn. Je mets en learn. C'est le lien que a cliqué. En version learn. Gaia Pro, canobier. Papa, 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 papa. Download. C'est ça, ouais. Faut cliquer là-dessus, quoi. 51 download. Ouais, Utéragène 4 free. Ça s'utilise dans CG. Je suis perdu, moi. Moi, je suis perdu.
J'ai l'impression d'être si lente, c'est horrible. Birded Beer, tu veux dire? Bien joué, Sharn. Bien joué. Il l'a pas vu venir, celle-là. Ouais. 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 Merde. Et... Non, c'est l'inverse, faut que je fasse un black mask. Ok. On enlève ça. Ça, ça va être notre métallique. Ok. Il faut qu'on sélectionne aussi ça. F. Ça brille trop. Pourquoi tu ne proposes pas Houdini pour faire ça? Parce que j'ai jamais utilisé une Houdini. Donc je sais pas si jamais je peux vraiment le proposer. Comme j'ai jamais utilisé, j'ai pas envie de conseiller quelque chose que j'ai pas testé moi, tu vois. Ensuite, du reste, vous êtes libre de vous conseiller ce que vous voulez dans le chat. Voilà. Sans carte graphique. Bah si si, ça s'utilise avec carte graphique bien sûr. Oui oui, non mais je suis trop con. Je suis trop con. Le premier degré. Ah non mais je suis là je suis dans l'incompréhension du second Je te jure, je suis vraiment éclatée. Oh OMG. J'aimerais faire une référence, pardon, au... Je vais essayer. A priori, Terragen utilise le CPU, pas le GPU. Ok, ça marche. Merci hein, de vous conseiller les uns les autres, parce que là, d'habitude, moi, j'aurais conseillé des trucs, mais là, je suis... OMG! J'aimerais bien faire une référence au trap de Doors de Among Us. Les trappes d'or. Les trappes par terre. Vous voyez ça? Ouais. Mais what? Terragen est beaucoup trop complexe. Minista! Trouve un tuto! Je crois qu'ils font comment les graphes? C'est grave ça! Je crois qu'on sait utiliser tous les logiciels! On installe un tuto. On fait le tuto. YouTube, c'est ton ami. C'est ton friend. Your friend. Bah. Ouais, mais le problème, c'est que une carte comme tu la demandes, c'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on pourrait penser. C'est ça qui est chiant, quoi. C'est qu'en fait, les terrains comme ça... Et en fait, tu peux faire terrain 3D... Vas-y, attends. Allons-y. 3D. Free. Voilà. Et modèle. C'est ça, là? Ah, mais c'est 199 balles. Moi, je veux bien free, hein. Libre. Fantasy free. Ah, y a AI 3D Generator. Incroyable. Exceptionnel.
Je m'en branle. Format, animé. Qu'est-ce qui se passe là en fait? C'est au niveau du prix là? Prix. Libre. Allô? Allô Michel? Ah oui, et donc tout ce qui est. Ouais, puis ils ont fait des petites arches quoi, des petites choses comme ça. Et il y a ça, hein, Mont Fuji. Et le Mont Fuji. Il existe, il est gratuit. Bravo pour le Mont Fuji. Voilà. Bah. Je te regarde tout le temps, mais toi, tu m'ignores. On dirait un ex toxique. J'adore. Mais. Ouais, c'est une vue satellite. Et du coup, c'est quoi que tu cherches? Putain. Ça fait horrible. Mais c'est pour un test ou pas? En fait, si jamais tu veux quelque chose de joli, forcément, ça va prendre du temps. Tu peux pas... Le graphisme, c'est pas comme en prog. Une carte modélisée pour un jeu. Voilà. Franchement, mais il n'y a pas de map de quoi? Il n'y a pas de map. En fait... Ça, là, ça pourrait pas le faire, ça? Je comprends même pas ce que tu veux, en fait. Bah oui, elle est pas mal. Du coup, elle est sur Turbo Squid. Elle était en mode... Elle est gratuite. Mais du coup, tu m'as menti. T'as pas du tout cherché. Première page Google, enfin, merde. On a dit quoi, les progs? On va au-delà de la première page Google. Et ensuite, on dit qu'on n'a pas trouvé. Et on demande aux collègues. Pardon. J'ai des trigger warnings de... Mais c'est Turbo Squid, hein, c'est le même site. C'est le même. Cherchez sur les sites que tu m'as donnés. Oui. C'est Turbo Squid. C'est le plus connu parmi les graphistes. Along the graph. Ok. Bon. Du coup. Putain, le pipeau, hein. Toujours le pipeau, hein. On se fait bien niquer par le pipeau à chaque fois. J'en peux plus. Bon, un 3D world space grayscale. Radiant map. Sinon, tu as CG Trader comme marketplace. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai. C'est vrai. Après, ils me demandaient vraiment des sites vraiment gratuits. Et pour le coup, moi, je connais... Enfin, il y en a quand même peu où tu peux chercher des trucs gratuits. Après, CG Trader, c'est pas mal, mais je trouve que c'est souvent payant quand même. C'est un peu plus le schlag. Oui, c'est ça. En fait, ils n'ont aucun respect pour les artistes qui vendent. Bah, je suis un peu d'accord. Tu sens en plus le site, il est un peu fini à la pisse. C'est les ambiances, quoi. C'est les ambiances. CG Pierce, peut-être que tu peux trouver des trucs. Oui, j'avoue. CG Trader. Moi, j'ai conseillé l'Asset Store, surtout si c'est pour l'Unity Asset Store. Il y a énormément de choses gratuites sur le Unity Asset Store qui fonctionnent bien. Surtout que c'est tous des trucs qui sont un peu faits pour le jeu vidéo, donc qui sont un peu au petit. Parce que... Tu as sur CG Pierce?
Oh, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, mais CG Pierce, c'est un peu chiant parce que faut se register la première semaine du. Enfin bref. Ouais, quoi. Oui. Faut se register la première semaine, c'est un peu relou, quoi. Et extérieur. Et après, là. Tu peux chercher sur price et tu mets prix. Voilà. Et il y en a plein qui sont gratuits du coup. Des maisons. C'est compliqué le monde de la 3D. Oui. Oui, oui. Toujours, toujours. Les appâts dans Animal Crossing New Horizons, c'est vraiment utile ou pas? Alors, tu passeras beaucoup moins de temps à. Ça te casse les couilles. C'est sûr. C'est sûr que ça, tu passeras vachement moins de temps à pêcher, quoi. T'auras beaucoup plus de prises. Ensuite, c'est pas non plus hyper, hyper utile. Moi, je sais que je faisais quasiment jamais avec Appa. Quasiment jamais. Mais on peut avoir, ouais, sur CG Trader. Ça peut être des choses comme ça, quoi. Et je mets quoi comme nom de recherche sur CG Trader. Après, t'as peut-être un convertisseur hein, pour mettre dans le format que tu veux. Hein. Oh, c'est beau ça, j'aime bien. J'aime bien cette génération, c'est vraiment du Maya là, hein. Du Gaia pardon. Vous voyez, c'est vraiment typique des petites crevures là qu'il y a sur Maya, sur Gaia. Putain mais vraiment je, j'ai besoin de, j'ai besoin de bol hein. Moi j'ai besoin de bol. Hein. Et après en haut à gauche t'as Max 3DS FBX objet USD. Et du coup si jamais tu fais file format. Tu veux GTLF GLB. Bah ouais mais tu peux juste cliquer dessus et Alors, en vrai tu peux convertir un format en un autre. Tu peux convertir un format en un autre. Genre nous on nous dit je veux un OBJ par FBX et on est en mode oui ben enfin tu t'exportes le truc et c'est bon OMG quoi. OMG quoi. Ok le scale là comme ça il est un peu chiant. C'est mon moteur graphique. Et du coup, tu peux. Enfin, je pense que sur pas mal de logiciels, tu peux convertir l'un en l'autre, etc. Mais ça vaut le coup d'installer Blender parce qu'il est gratuit et au moins d'apprendre comment exporter des fichiers en d'autres. Même pour des tests, parce que finalement, ça restera utile, quoi. À mon avis. FreeJS, c'est du GTLF. Je ne sais pas du tout, frérot. Vraiment. Ah oui, d'accord. Clair dans un sens, clair dans l'autre. En fait, j'aimerais bien... Hein. J'aimerais mieux le gradient, putain. Mettre un linéaire gradient, mais je crois qu'il a pas fait la position comme je le voulais, donc on va voir.
Ok, donc vous voyez là, c'est dans ce sens-là. Ouais, mais bon. Le problème étant que... Michel, il a décidé d'être chiant, quoi. Ah, c'est bizarre. J'aurais pensé qu'il était forcément... Ah oui, d'accord. Le GLT, le GLFB, FT, c'est le GLB. C'est pareil. Et du coup... Du coup... Le GLB, c'est la même chose. Bah du coup, t'as ça comme option. Du coup. Donc tu cliques sur ça, tu cliques sur Free. Paf. Et voilà. Et là, t'as Desert Field avec ton bon format. Allô. Avec plein d'herbes. Waouh. Voilà. Elle était où là? En haut à gauche, il y a marqué file format. Et quel site? CG Trader. En fait. Ok, je suis allée sur CG Trader. Ok. Là, j'accueille. Waouh! Je vais sur extérieur parce que tu cherches un terrain extérieur. Donc, c'est forcément extérieur. Je clique sur extérieur. Ok. Ensuite, je suis face à ça. En haut à gauche, il y a marqué file format. Je clique dessus. En dessous de Poppy, vous ne le voyez pas, mais... En dessous de Poppy, il y a marqué là. GLTF. Voilà. Ah, mais oui, d'accord, tu cherchais World Map. Ouais, t'as même landscape si tu veux ici là. Tu peux mettre des tags en fait. Voilà. Et tu cliques sur free. Voilà. Là c'est que des landscapes free. Tu fais le format GLTF. Voilà. Terminado. Terminado. Lopoli Realistic Mountain. Ça, 3D désert terrain. Fait sous Gaïa, ça encore. Hein. Je connais. Je reconnais. Mais voilà quoi. Donc, ouais. Il y a moyen que tu trouves 2-3 petites choses. Oui, tu peux rajouter Blend et FBX, voilà. Par type. Comment ça, par type? Bah, pff, au pire, ouais, tu fais, t'explores un peu. En vrai, ce qui est rigolo avec ces sites-là, c'est que tu peux explorer un petit peu, trouver un peu de l'inspi aussi au passage. Voilà quoi, c'est un peu rigolo. Bon, moi je voulais faire un générateur masque. Je voulais rajouter un masque, un smart mask. Un smart mask. Putain, je suis trop con. Je crois que je suis trop con pour ce monde. Pardon. Je suis désolée. Hein. Je suis tellement éclatère. Hein. C'est grave. Oui, il faut prendre le temps de chercher sur ces sites. Il y a plein de choses, il y a énormément de choses qui sont accessibles gratuitement. Et c'est à partir de ça qu'on entraîne des IA qui vont nous remplacer, donc bon. Je pense à tous ces artistes. Paix à leur âme. Ils ont voulu partager un peu. Ils auraient dû tout garder. Allez, je remets Doudou en normal. On va faire la pause des enfants. Voilà.
Je t'en prie, Nesta. Et du coup, ouais, faut. Grande majorité, merci Kangarous 3D pour toutes les infos. C'est bien. Oh non. Non. Je vais m'endormir là. Voilà, c'est bon. Je vais vous mettre ça. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Si tu cherches pendant une heure, tu gagneras quand même du temps. Vu que faire... Voilà, le faire te prendra beaucoup plus de temps, je suis d'accord. Après, c'est réellement des IA. Ah oui, c'est pas réellement des IA. Oui, c'est pas réellement des intelligences artificielles en réalité. Exactement ça. Les IA, c'est des crépures. Elles demandent pas l'autorisation aux artistes. Ah ouais, ouais, c'est un peu ça le problème. Après, ça reste un outil. C'est un outil, le problème c'est que du coup maintenant il y a Jean-Mich de la compta qui a l'impression qu'il peut faire ce métier alors que c'est un métier compliqué et que voilà quoi. Voilà. Toi, ta liste des tarifs c'est où déjà? Eh ben c'est sur le channel Discord avec une petite cerise dessus, gris tarifaire. Voilà. Copier le lien. Voilà. Après, j'ai pas mis de terrain dedans. Pour le coup. Voilà. Non, j'ai pas pour la 3D. J'ai pas pour la 3D parce que ça prend un temps monstre, en fait. Là, y a que des overlays. Ouais, ouais. Parce que... Ouais, rad, ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, ça me prendrait la vie. Et je préfère faire mon jeu actuellement que de pouvoir bosser avec des gens, tu vois. En fait, actuellement, je vais passer tellement de temps... Enfin, en fait, j'ai fait les effets spéciaux pour une vidéo de montée. Et ça m'a pris littéralement un mois et demi, genre de mon temps, mais quasiment constamment. Un mois et demi. Et du coup... Même un peu plus en vrai. Et du coup, bah en fait, je peux pas perdre ce temps-là pour faire ça, tu vois. Voilà. Ok, d'accord. Tu penses partir sur des tiles, générer une carte logicielle. Ouais, les tiles, c'est petit et rapide, ça dépend. Salut, Birded Beer. C'est bizarre, t'étais déjà dans le chat avant, sous le pseudo de Kangarous 3D. Étrange. Ah, regarde-les, regarde-les. Ah là là. Et vous êtes de mèche, hein. Vous êtes coercitif, on appelle ça. Hein. C'est de la coercition. Non, en fait, ouais, je peux pas bosser avec des gens pour l'instant. Enfin, ça me prend trop de temps. Ça me prend trop de temps. Et ensuite, avec Monté, c'était encore différent parce que quand même, il y avait un budget, etc., assez important. Et du coup, ça pouvait essuyer un peu ça. Mais là, je me sens pas aussi... tu sais, genre là, actuellement, je fais des insomnies pour bosser sur mon propre truc. Et du coup, je me sens pas de bosser avec quelqu'un et de promettre d'avoir des milestones et de pas pouvoir les respecter parce que juste, j'ai décidé de faire une insomnie, ou plutôt, mon corps a décidé de faire une insomnie la nuit dernière. Tu vois. Voilà quoi. C'est pas dingue. Pour cette raison-là, c'est pas dingue. Merde. Ah oui, mais ça fonctionne comme Si, je veux du pitriplanaire. Ah, avec du grunge aussi. Moins d'amiante occlusium. Moins de curve, s'il vous plaît. Voilà. Je suis encore sur mon test de moteur. Oui. Ok, ça roule. On verra. Ils vont encore écrire des bisous. Oui, c'est étrange. Coucou l'ami. Coucou. Regarde-le à se répondre à lui-même. C'est louche. C'est louche. Flop la guilde.
Bon, allez, les enfants. Je vais devoir faire une pause. Je vais aller chercher un café. C'est pas possible. Il se parle à lui-même, ouais, pour faire genre. Ok. Hop. Je reviens, les ozos. J'arrive dans moins de 5 minutes. Je vous pub. Hop là, Birded Beer qui prend ce qu'il mérite. J'arrive dans moins de 5 minutes. Juste, je vais chercher un petit café. J'arrive. Le complot. Thank you.
Du calme, Nesta. Du calme. Alors, je regarde. Tu n'avais pas juste un underscore dans ton pseudo ? Étrange. J'ai toujours eu 4. Putain, 4 underscores. Ce midi, je vais un curry indien ou un curry japonais ? Indien. J'aurais pas t'expliquer la différence de composition, mais ça n'a rien à voir niveau goût. Un type de curry qu'on retrouve dans un katukuri. Un curry indien alors. Moi je saurais pas non plus. Notamment car je ne connais pas la différence entre les deux. Je sais juste qu'il y en a un des deux, genre le curry indien. Où il y a des fruits souvent dedans. Et... enfin, voilà. Miam. Trop bon. Trop bon, trop bon. Trop bon, trop con. Angaros 3D qui m'envoie des petites choses sur la tête. What the fuck, bro? Les enfants. Vous savez, non? Il y a un moment, moi, je vais pas vous répéter toujours les mêmes choses. En train de setup des trucs. Rad qui m'envoie des trucs dans l'œil. Super. On s'amuse, hein. Oui, des raisins secs et des noix de cajou. Et des tomates. Oui, trop bon. Alors ça, c'est curry indien et curry japonais. J'ai jamais... Si, peut-être y a un côté sucré-salé un peu plus. Une sauce moins épaisse, moins crémeuse, on va dire. Je sais pas. Un peu plus. Un peu plus piquant aussi. Je sais pas, ça me fait penser à la sauce... Il y a une sauce comme ça qui pique beaucoup, qui est japonaise, qui est très sucrée aussi. Des cubes de curry. Ok. Ça marche. Bon, les enfants, vous avez tiré votre horoscope tout à l'heure. La différence, c'est l'accent. C'est juste ça. Non. Non, non. Ok. Alors, vous avez tiré vos signes astro. Et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cet horoscope du mercredi 20 mars. Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ah oui, putain, il y a Astrobot et Moobot en même temps. Incroyable. Faudrait que je désactive le Moobot. Pour cette journée du mercredi 20 mars en notre compagnie. Aujourd'hui, c'est la Sainte Herbert, Svetlana et Wulfran. Et c'est surtout le printemps. Eh oui! Aujourd'hui, le soleil se couche à 19h05, essayez de sortir avant. Aujourd'hui, la lune est en gibbeuse croissante. Et sur notre podium du jour, nous avons en première position les béliers, ouais! En deuxième, les cancers, ouais! Et en troisième, les scorpions, ouais! Aujourd'hui, nous allons faire, dans l'ordre, les horoscopes des taureaux, des sagittaires, des lions et des capricornes. Et l'affinité du jour est entre les béliers et les cancers. On leur souhaite à toutes et à tous une belle baise. Et tout de suite, l'horoscope des taureaux. On rappelle qu'en couple, le taureau recherche le plaisir. Ne le décevez pas, d'autant que sa libido le rend plutôt gourmand. Putain, merde. Ah là, vous pouvez noter, hein, pour la BD. Ah, pour le webtoon, là, c'est du beau. Hein. Là, c'est du beau, c'est du concret, hein, c'est du grand. Hein. Sa libido le rend plutôt gourmand, hein, c'est une gourgandine. Aujourd'hui, c'est un 7 sur 10 pour nos amis les taureaux, c'est plutôt une bonne journée. Et aujourd'hui, la lune est en trigone dans votre ciel astral du jour avec le soleil. Du coup, niveau vie amoureuse, ça vous ferait adopter les bons réflexes, notamment côté cœur. Vous avez compris l'importance de vous montrer plus indulgent et indulgente vis-à-vis des défauts de votre partenaire et de les souligner
Et de souligner, pardon, ses qualités. Votre moitié est sensible à vos compliments, ce qui embellit l'atmosphère au sein de votre couple. De la même façon, les célibataires n'hésitent pas à se trouver des points communs avec la personne rencontrée, ce qui crée une harmonie entre eux, grâce à laquelle ils se sentent plus épanouis. Ça manque de sound avec Bigard. Et niveau vie professionnelle, si vous travaillez ce mercredi, amis taureaux, à l'usine ou sur le chantier, c'est l'esprit d'entraide qui prime. Votre équipe est plus que jamais soudée et avance main dans la main. Vos collègues se montrent solidaires et coopératifs, ce qui permet d'accomplir un travail efficace tous ensemble, les uns et les autres étant disponibles et impliqués. En plus de la performance, la cohésion de groupe engendre un gain de temps. Top! Comment on fait? J'ai rencontré personne. Le facteur. OMG. Le facteur. Date le facteur, il est riche, c'est sûr. Et niveau finance, votre situation financière est plutôt favorable dans l'ensemble, ce qui vous rassure, sur ce plan. Vous qui êtes toujours un peu inquiète quant à votre situation matérielle, sentez aujourd'hui un peu plus une sécurité. Pour beaucoup, en étudiant vos comptes, vous apercevez que votre budget y tient la route et que vous maintenez votre cap. Eh oui, vous serez rassuré là-dessus. Eh oui. Et niveau bien-être, la fatigue persistante de ces derniers jours, elle tend à s'effacer. C'est grave le cas pour moi, par exemple. Vous vous sentez aujourd'hui plus en forme que d'habitude et vous avez l'impression d'avoir retrouvé un peu plus d'entrain. Cette sensation vous apaise psychologiquement et vous stimule physiquement. Un flux d'énergie circule en vous, qui vous redynamise. Continuez à prendre soin de vous, vous êtes sur la bonne voie. Personne. Et niveau famille et entourage, pour finir, pour nos amis les taureaux, des émotions joyeuses sont au rendez-vous cette journée. Témoignages d'affection, retrouvailles vous offrent l'opportunité d'échanger avec vos proches et de partager avec eux de bons moments de complicité. C'est sous le signe de la bienveillance, sur fond de sincérité, que s'établit la communication. Profitez-en autant que possible de cette ambiance chaleureuse. Elle s'efface ta fatigue. Oui, grave, elle s'efface de ouf. Non, en vrai, elle s'efface, mais seulement quand je pousse un peu le potard. Et le dicton coaching du taureau du jour, si tu transformes tes erreurs en leçons et tes peurs en courage, alors tout est réalisable. Tu es capable. Non, au secours. Et je vous rappelle que nous sommes toujours le mercredi 20 mars. Aujourd'hui, c'est la Saint-Herbert, Svetlana et Vulfran. Nous venons de faire le premier Oui, du jour. Nous allons enchaîner bientôt vers les Sagittaires. Elpim a demandé, Rad est dans le chat. Tout peut se passer. Le prochain signe. Non mais en fait, je voulais dire l'horoscope. Non mais je suis trop con. Enfin, vraiment, je suis débile. As. Mais avant tout ça, je vais boire un tout petit peu de café car vraiment, j'ai besoin de boire du café. Et c'est bon, j'ai bu mon café. Let's go! Les Sagittaires, c'est parti! Aujourd'hui pour les Sagittaires, vraie journée de merde, ouais! On rappelle que le Sagittaire aime la simplicité et cherche sans cesse comment rendre les situations meilleures. Alors que vraiment, tous les autres, ils sont là juste pour les empirer. C'est tout! GG la mort aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Lune est en opposition avec Pluton. On vous rappelle que les oppositions, c'est... une opposition astrologique représente deux planètes opposées par rapport à la Terre. Les deux planètes sont en conflit et cherchent... Elle a pas mis de ENT sur le cherche, ça me trigger. Ce n'est pas grave, il ne faut pas être grammaire nazi. À prendre le pas l'une sur l'autre. Cet aspect induit une lutte intérieure, un tiraillement. Plutôt négatif, il vous fera cependant progresser en maturité si vous arrivez à ne garder que le meilleur des deux.
Python n'est plus une planète non plus. Non, mais ça va, Elpim, ça va. On peut poser un peu l'horoscope. Tu veux peut-être nous mindspliner que Pluton, c'est pas... Bon. On enchaîne ou pas? Voilà. Merci. Non mais... Et niveau vie amoureuse, ce mercredi, cet aspect d'opposition dans votre ciel augure des perspectives assez floues dans les amours du Sagittaire. En couple, les natifs qui pensaient que leur partenaire s'éloignait dernièrement pourraient montrer les crocs. Encore un peu de patience, les hommes chevaux. Célibataires, Pluton et la Lune en opposition rendront certains natifs pessimistes. Relativisez, ce n'est pas parce que vous êtes sans nouvelles pendant une journée que vous n'en aurez plus jamais. Pour les autres, les rencontres sérieuses ne seront pas à l'ordre du jour. Allez bien vous faire foutre, vous mourrez seul, comme nous tous. Et niveau vie professionnelle, il va de soi que les moments agréables de la vie nous rendent bien plus opérationnels au travail. Et c'est donc selon votre situation personnelle que les aspects de la Lune et de Pluton joueront ou pas en votre faveur. C'est pourquoi si vous travaillez ce mercredi, on vous suggère de rester concentré sur vos tâches et de ne pas ruminer et ou d'éviter de vous laisser polluer. Donc par exemple, elle refuse que vous soyez sur ce chat. Voilà. Et j'enchaîne niveau finance pour nos amis les hommes chevaux. L'aspect de Pluton indique un statu quo en matière financière. La patience est de mise, que vous ayez sollicité un prêt ou que vous attendiez un remboursement. D'autres natifs seront plus affectés par la présence de la Lune en opposition qui pourrait modifier un peu leurs revenus à la hausse ou à la baisse. Et niveau bien-être, aujourd'hui, pour nos amis, les hommes chevaux, la disposition planétaire est plutôt favorable si vous décidez d'opérer un changement dans votre routine. Certes, il faudra l'organiser, mais cela ne vous prendra pas spécialement beaucoup de temps. Par conséquent, et si vous vous posez 1000 questions sur votre forme, il est temps d'agir. Au moins, vous serez fiers de vous. Et niveau famille et entourage, pour finir, pour nos amis les Sagittaires, aujourd'hui, que ce soit en famille ou avec votre entourage amical, personne n'y mettra vraiment du sien. Pourtant, je vous jure que je fais la max, hein. Vous me croyez pas, mais certains natifs qui n'ont pas leur langue dans la poche tenteront peut-être une mise au point dans les règles. Oh putain, et vous voulez... Attention, parce que les stagiaires veulent se battre dans le chat. Attention. Vous rappelez-vous tout de même que chacun est libre de s'exprimer et laissez vos interlocuteurs dire ce qu'ils pensent aussi. Changement de ma routine aujourd'hui? J'ai pas mis ma casquette! Énorme. Et Nina a un super pyjama. C'est vraiment genre les anecdotes de fou furieux. Vraiment une journée naze. Ah ouais, vraiment une journée naze. Le dicton coaching du Sagittaire du jour, chercher à se justifier lorsqu'on n'est pas coupable, c'est s'accuser. Moi je copie ça et je mets directement dans le pire dicton. Hein. Oh, il est super. Hein. Ton pyjama il est super, mais le dicton aussi. Hein. C'est incroyable. Hein. Oh, c'est s'accuser quoi. Hein. C'est une dinguerie. Et nous venons de faire l'horoscope de nos amis les hommes chevaux, j'ai nommé les Sagittaires. Aujourd'hui, c'était plutôt une mauvaise journée pour nos amis les Sagittaires. On espérera qu'il en sera de mieux. Hein. Lion. Essayez de sortir avant 19h05 ce soir, c'est l'heure du coucher du soleil. Et nous partons sur les lions, c'est parti. Aujourd'hui, c'est de la merde, de la grosse merde, en bar, en barquette. Good morning, sunshine. Salut, Foxy. Aujourd'hui, c'est de la grosse merde en deux barquettes, bien sûr. On rappelle que le lion attache de l'importance à l'esthétique. Il aime mettre en valeur son aspect physique et contrôler son image. Ce sont également d'énormes hypocrites, bien sûr, puisqu'ils dissimulent toute la vérité derrière leur maquillage. Ainsi, ils adorent paraître bien aux yeux des autres, mais en réalité, ce sont des petites putes. Help! Help! Je vais pleurer. Aujourd'hui, Mars est en quinconce avec la Lune dans votre ciel astral du jour, mes amis les lions. Et niveau vie amoureuse, cet aspect de la Lune en quinconce avec Mars peut engendrer des tensions avec votre partenaire. S'il ou elle a un caractère trempé et une personnalité très affirmée, afin de limiter les conflits, il vaut mieux faire preuve d'abnégation aujourd'hui. Toutefois, il ne faudrait pas non plus que votre personnalité s'efface face à celle de votre partenaire. Vous avez aussi le droit de vous exprimer.
Coucou Foxy, coucou. Célibataire lion, vous ne saurez pas comment réagir face à une petite déception, mais en est-ce vraiment une ? Elle parle de l'horoscope là. Hein. C'est pas tant une déception. Et niveau vie professionnelle, ce mercredi, si vous travaillez et que votre travail nécessite d'avoir un comportement très dynamique, il est fort possible que l'énergie vous manque. De même, si vous devez vous montrer offensif ou offensive, tel un commercial, votre esprit de persuasion sera en berne. Il serait peut-être temps pour vous de prendre quelques jours loin de votre travail. J'enchaîne niveau financier, vous envisagez de signer un contrat de crédit à la consommation prochainement. Réfléchissez bien à deux fois un million. Et oui, plein de gens se sont endettés dans les générations précédentes avec la crise du 7LM. Pardon, ouf. La journée ne sera pas propice aux initiatives financières qui pourraient se révéler peu prometteuses. Patientez donc un peu avant de vous lancer. Vous allez bien tous ? Coucou Nina, ça va ? Oh non, mais trop mignon ! Non, pas capitalisme. Crédit à la consommation. Et niveau bien-être aujourd'hui pour les lions, ce quinconce n'est guère tonique. D'une manière générale, vous manquerez de tonus. Et vous n'aurez guère d'énergie. Malgré tout, vous pourriez profiter de cette baisse de forme pour méditer sur vous et sur votre vie. La méditation nous permet de prendre de la hauteur et de relativiser certains de nos problèmes. Merci Carole, depuis un mois. Et niveau famille et entourage aujourd'hui pour les lions, le bien-être de votre entourage amical et des membres de votre famille fait partie de vos préoccupations. Vous essayez constamment de leur rendre la vie plus douce et plus facile. Veillez à ne pas confondre dévouement et sacrifice. Faire preuve de générosité est une chose, mais ne vous montrez pas trop gentil ou gentille, car certaines personnes pourraient être tentées d'en profiter un peu trop. Bon Nina, tu peux pas m'offrir un sub ? Vas-y, affirme-toi, dis non ! Ta gueule, Carole, ça fait mal ! Et le dicton, coaching du lion du jour, hier, n'existe plus. Je vous laisse me le dire en même temps que moi. Hier n'existe plus. Demain ne viendra peut-être jamais. Il n'y a que le miracle du moment présent. Savourez-le, c'est un cadeau. Il est génial, mais quand même, quand on cherche à se justifier alors qu'on n'est pas coupable, c'est s'accuser, quoi. Hein. Enfin, frérot, tu es cringe. Tu es cringe. Oui, grave, elle est cringe. C'est top. Je le garde en sauvegarde. Et nous venons de faire l'horoscope de nos amis les lions. C'était vraiment un horoscope terrible. Une journée de merde. Encore une. Bien sûr, Carole qui décide de notre avenir comme ça. De manière aléatoire, en générant des choses. Je l'ai dit en même temps que toi. Hashtag folle. Non mais en vrai, c'est bien. Ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien. Fou. On prend un peu de recul par rapport à cet horoscope. Carole nous a dit que c'était pas important. Sur le podium du jour, nous avons les béliers en première position, les cancers en deuxième et les scorpions en troisième. Et nous allons passer dans peu de temps à nos amis les capricornes. Et on a envie, hein, bien sûr, d'avoir la note du capricorne. La note du capricorne, c'est quasiment un 8. Hein, c'est un 7,92. Et du coup, on va partir directement sur nos amis les quatre cornes. Et aujourd'hui pour les Capricornes, on vient de le dire, c'est une note assez incroyable, c'est du 7,92. C'est près du 8, effectivement. On rappelle que le Capricorne ne craint pas grand-chose, ni personne. D'ailleurs, il craint pas la mort, il ne craint pas non plus de baiser ta mère et de te faire un petit frère, bravo à eux. Demain, ce sera la mort pour les Capricornes, mais après-demain, la revivation. Ressuscita Jésus. Ok, très bien. Et aujourd'hui, Pluton est en sextile avec le soleil dans votre ciel du jour. Et niveau vie amoureuse, lorsque Pluton s'incruste dans votre ciel, vous vous dites, ce n'est pas une planète, mais Carole, elle se dit que c'est une planète. Il est souvent question de changement, voire de bouleversement. Ah, ça c'est intéressant, elle te donne des infos pour ta BD, t'as vu ? Tout dépend de notre état d'esprit du moment. On a besoin de renouveau à des stades plus ou moins importants. Par conséquent, côté cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, et selon votre situation actuelle, vous éprouverez certainement ce mercredi le besoin d'opérer un changement. Pour les célibataires notamment, vous prendrez sans doute des décisions majeures. Je vais me faire une coupe au carré.
Et niveau vie professionnelle, dites-moi si jamais j'ai bien imité le Capricorne classique. Et si vous faites partie des Capricornes qui avaient envisagé une reconversion ou un changement de poste, il est fort probable que vous relanciez vos démarches aujourd'hui. Les demandeurs d'emploi seront particulièrement concernés. Ils envisageront sûrement d'autres voies, chercheront d'autres pistes, quitte à s'éloigner considérablement de leur domaine de compétences. C'est une bonne initiative. Et niveau finance, vous entamerez peut-être aussi des réflexions de fond concernant votre avenir financier. Là encore, les changements envisagés seront plus ou moins conséquents selon votre situation. Même si cette attitude est plutôt positive, il vaut mieux tout de même attendre quelques jours avant de prendre des décisions radicales. En effet, ce sextile peut vous inciter à être dans les extrêmes. Oui, j'espère que ça va passer pour le stage, moi aussi. Hein. Et j'espère que pour le master, ça va passer pour Nina. Hein. Et niveau bien-être aujourd'hui, pour les Capricornes, les 4 cornes, c'est également une configuration qui est stimulante pour celles et ceux qui ont décidé de se reprendre en main. Votre volonté et votre motivation seront exacerbées. Aujourd'hui, piscine! En plus, il fait beau! Pour les autres, l'idée de modifier leur style de vie germera en eux tout le long de la journée. C'est l'occasion de vous y mettre, non? Et niveau famille et entourage, et pour finir cet horoscope du jour en beauté, bien sûr, sur le plan relationnel pour les Capricornes, ce sera pile ou face aujourd'hui. En effet, vos idées ou propositions du jour seront plus ou moins acceptées, selon à qui vous les présenterez. Adhésion ou refus catégorique? Tout dépendra des influx planétaires et de vos interlocuteurs. Par conséquent, si vos idées ne sont pas bien reçues et que vous êtes convaincu de leur bien fondé, faites juste preuve d'un peu de patience. Bravo, bravo, j'ai déjà fait un semblant de piscinière. Bravo, bravo. Super. Et le dicton coaching du Capricorne du jour: examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Oh putain. Alors là, je sais pas du tout lequel est le pire. Hein. Oh les enfants, on en a trois beaux. Hein. On en a trois beaux, ça va être compliqué. Je crois que vous allez voter, les enfants. Vous allez voter! C'est surtout le chien de ma pote qui lui a fait faire un tour dans le lac. Un semblant de piscine, alors! C'est ça? Je vais mettre dans le bloc-notes tout de suite. La promesse est une dette. Ça, c'est le numéro 1. Ok, numéro 2. Hier n'existe plus. Quel plaisir! Et le pire dicton que j'avais noté, c'est-à-dire chercher à se justifier lorsqu'on n'est pas coupable, c'est s'accuser. Ah, c'est du génie celle-là. Ah, et franchement, c'est dur, hein. C'est dur. Moi-même, j'aurais du mal à choisir. Alors, je vais vous lancer un poll. Tout est horrible. Oui, c'est du génie. Le pire, selon vous. Hey, il est effectivement un peu con. Il est effectivement un peu con, lui. Quel est le pire? Alors, la promesse est une dette. Promesse égale dette. Hier n'existe plus. Présent égale cadeau. Et c'est marrant parce qu'en fait, je viens de comprendre le sous-entendu. Le miracle du moment présent, savourez-le, c'est un cadeau. Parce qu'on dit, vous savez, un présent. A present. C'est un cadeau en anglais. Enfin bref, bref. Allez. Se justifier égale être coupable. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. C'est du génie. Et vous avez devant vous 5 minutes pour voter pour le pire, bien sûr. Allez, top en... Et chercher à se justifier, c'est être coupable, c'est vraiment bien. Hein. Genre, chercher à se justifier lorsqu'on n'est pas coupable, c'est s'accuser. C'est du génie. C'est du génie. Je vous laisse cependant voter pour la pire, celle que vous trouvez vraiment horrible. Et je vous félicite pour cet assistanat.
Pardon. Je vous félicite, bien sûr, pour le fait d'avoir assisté à cet horoscope en notre compagnie. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui, mercredi 20 mars, que c'est la Sainte Herbert, Svetlana, Vulfrane, bien sûr. Nous sommes le 80e jour de l'année. La Lune est en phase gibbeuse croissante. Essayez de sortir avant 19h05. C'est l'heure du coucher du soleil. Et sur le podium du jour, nous avions le Bélier en première position, les Cancers en deuxième et les Scorpions en troisième. Bravo, bravo, bravo. Ouh. Je vous félicite pour cette assise, Stana. Je vous jure que le jour où j'aurai une soundbox, comment vous allez souffrir votre as. Bah, ça va être grave, hein. J'aimerais trop avoir juste la soundboard avec, mais à ma disposition, à moi, vous voyez. J'aimerais avoir la soundboard Rosanna, comme si... J'ai un problème. Je crois que j'ai un problème, les enfants. Au secours. Au secours. Rosanna, venez, venez par là, je vais vous expliquer. Oh mon dieu. Bon. Je vous laisse voter pour le meilleur, le pire. Vous-même saurez le savoir. Moi, j'en ai marre de dire des trucs qui n'ont aucun sens. Hein. Vraiment, je vous jure que ça commence à être lourd. Hein. C'est lourd à porter, hein, de dire des trucs qui n'ont aucun sens. Ok, je vous le mets là. Ok, c'est bon. Merde. Bon, vas-y, il vous reste 2 minutes, mais je pense qu'on a compris lequel c'était le pire dicton. Hein. Moi, je pense que chercher à se justifier lorsqu'on n'est pas coupable, c'est s'accuser, mais bref. Peut-être suis-je la seule dans cette situation. En bref. Voilà. Hop. Et le pire dicton coaching du jour est noté, les enfants. Waouh, j'ai envie de dormir si fort. Comme ça, les points fermés. Allez. On va être parti, on va essayer de faire au moins 1 ou 2 objets, ce serait top. Ce serait top, top. Bon, en vrai, celle-là, je sais pas ce que j'ai essayé de faire. Je pense que j'ai essayé de faire un truc bien, mais tout le monde s'en branle et c'est pas beau. Voilà. Voilà, ça c'est ce que j'ai essayé de faire, alors que vous voyez, un truc comme ça, ça passe très bien. Et c'est très largement suffisant pour cet asset-là, en fait. Ensuite, on va faire le distributeur d'eau. Hop, distrib... Oh. Faut que je fasse quelque chose de très mécanique. Et du coup, pour les choses mécaniques et pas créatives dans Substance, faut qu'on prenne des refs. Tac. Et vous voyez, on prend juste la ref qu'il nous faut. Et une fois qu'on a la ref qu'il nous faut, on fait brainless, on fait juste les trucs là. On fait ouais, on enchaîne, comme chouchaîne, tu vois, on enchaîne. On y va, comme ça. Vous voyez. Je l'orque ménage, je repour chef, ça marche doudou. Chou. Oh non, c'est trop mignon. Je passe en l'orque pour aller voir les insectes dans mon jardin. Trop bien, j'adore, trop bien. Ça marche. Passez en lurk. N'hésitez pas à passer en lurk. Vous pouvez même juste mettre votre petit emoji si jamais vous avez pas envie de parler. C'est ok. Ok, moi j'ai envie de faire un truc un peu genre... Dès que je fais un truc un peu joli... Chaque fois, je suis en mode « Ah, c'est chouette !» Genre, et du coup, j'ai grave envie de... de faire des trucs jolis à côté. Alors que quand je fais un truc moche, je suis en mode « Ah non, vraiment, c'est terrible. Faut que j'arrête. » Hop. Voilà. Vous avez de retour le retour sur Dadouce. Sur petit Dadouce. D'amour. Elle a fait plein de balades avec sa maman. Dernièrement, petite Dadouce.
Elle a la belle vie, je vous dis, moi. Moi, je vous dis, elle a la belle vie, hein. Voilà. Elle a la belle vie. Belle vita. Jure que c'est pas fait exprès. Je suis pas bête, hein. Je vous laisserai pas dire que je suis bête comme ça. Surtout, toi, Kangaroo's Beer. Kangaroo's Beer. Alors, on va peut-être faire ça aussi. Pas mal, mais ah, il manque quelque chose hein, quand même. Il manque quelque chose. On va peut-être... Ok. C'est déjà un truc pas mal. Je me demande si jamais je l'ai déplié. Ouais, je l'ai déplié en format comme ça. C'est bien. Une bonne chose. En gros, on va pouvoir faire une heat map négative comme ça, avec une color plus proche de ça, vous voyez, comme ça. C'est bleu, bleu, hein. Franchement, je comprends pas pourquoi c'est aussi bleu, d'ailleurs. C'est bizarre, hein. Ah, mais elle est teinte d'une manière... Ok, le plastique est teint en bleu, comme ça, l'eau peut paraître très bleue, quoi. C'est spécial, quand même. Comme eux-mêmes. Un peu moins de brillance. Et du coup, on va juste faire un black mask into un paint. On va venir mettre ça... Et puis bam boum en UV. Vous voyez, on va pouvoir directement aller hop ici, réduire la taille de notre pinceau et faire hop en solide comme ça là, voilà. Clac. Vous voyez là, il n'y a pas de comment dire, ça taille parfaitement bien parce que ici en fait, si jamais je fais un point là, vous voyez, et que je fais un point ici. Hop. Si jamais je les aligne bien correctement, bah il n'y a pas de... Comment dire? On ne voit pas l'UV. À part pour la heat map, évidemment, parce que la heat map, c'est un simulacre de 3D, et comme c'est pas la réalité, en réalité, c'est pas creusé comme ça. Voilà quoi. Jamais je ne dirai de mal de toi, enfin! Ouais, ouais, ouais. Non mais, moi, vos excuses, hein, je commence à en avoir marre. Ça y est, il y en a marre, en fait. Et après, en dessous, pardon Kangaroo's Beer. Promis, je ne te trouve pas louche du tout. Je suis sûre que par ailleurs, ce n'est pas du tout le cas du chat. Chut, le chat, faites semblant de... Ah, grave, Bird and Beer, mais... t'es grave pas Kangaroo's 3D, je trouve. Ah, quel plaisir. En fait, je crois que c'est ça que ça fait Animal Crossing sur les gens. Elle leur apprend la méditation alors qu'ils savent même pas ce que c'est. En mode, oh, c'est un truc de yoga, je sais pas quoi. Et en fait, ça apprend à genre Charne qu'il faut aller regarder les insectes dans l'herbe. Et juste les regarder et profiter du moment où tu regardes les insectes. Et ça, c'est de la méditation en pleine conscience. Voilà.
Ça me tue. Ces petits fripons là qui ont fait Animal Crossing, pour qui se prennent-ils ? J'ai envie de dire. Comment est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi t'es moche toi ? Ah d'accord. Hein, c'était juste pour le plaisir alors que tu puais la merde. D'accord. Pardon, j'ai un discours qui peut être des fois un peu choquant. J'en conviens. Le reste du temps, j'en conviens pas. J'en ai marre. Merde. Surtout auprès de Kangaroos 3D et de Birded Beer. Ils sont si louches. Ça cache forcément quelque chose. Moi, j'ai le blaire et le bon. Je vous dis que ça cache quelque chose. Pas net. C'est pas net. Ok, hop, on va faire ça. Voilà. Et... Ah ouais, c'était peut-être pas une bonne idée, ça. On va le voir comme ça, on va voir trop les intersections, ça va être emmerdant. Ok. Bon bah ça veut dire aussi que là il va falloir peut-être faire ça directement ici et mettre un rond et du coup faire semblant que tout est rond. Je vous promets, tout est rond. c'est un cercle que vous voyez là. vous ne voyez pas, arrêtez, hein. Vous voyez pas les angles, c'est faux. Ce n'est pas une modélisation avec des angles, arrêtez. Tac. Vous voyez, regardez comme on a quasiment caché. Comme ça, là. Waouh, mais c'est tellement... Pourquoi c'est une fleur ? Objet ? Ok, c'est pas bon. Pardon, je criais, je peux faire exprès. J'ai été choquée par ce que j'ai vu. Si jamais vous aviez été choquée tout pareil que moi... Et vous savez quoi ? J'ai envie que un jour... Peut-être on se fasse des moments où on travaille et où on écoute Distorsion en même temps. Mais je sais pas si ça vous tente ou pas. Je sais même pas si vous savez ce que c'est Distorsion en fait, petite R. Oh mais c'est génial ça. Oh c'est du génie. Oh c'est du génie. Regardez. Du coup on dirait qu'il y a de l'eau dedans. Un croyau. Je sais pas si jamais vous connaissez Distorsion, mais en gros, Distorsion Podcast, c'est... Comment est-ce que je pourrais résumer ça ? C'est un podcast audio, donc il n'y a pas d'image. C'est juste de l'audio. Et c'est deux bougres. Qui sont canadiens, enfin, québécois plutôt en fait. Et eux, ils font... C'est des histoires étranges de l'ère numérique, en gros le sous-titre de leur émission. Et donc c'est ça le principe, c'est qu'en fait... En gros, il y a des histoires de true crime un peu. Mais qui concerne justement l'ère du numérique et tout. Du coup, c'est pas mal du tout parce que en fait, ça s'écoute bien en faisant du travail ou d'autres trucs, je trouve. Et c'est vraiment chouette, quoi. Ça amène vraiment quelque chose, c'est chouette. Mais je suis en mode UV aussi, c'est pour ça. Bref, du coup, je me suis dit ça pourrait être rigolo, là, d'avoir, vous voyez, on est tous là et on écoute tranquillement Distorsion. Distorsion Pod. Et c'est rigolo, quoi. Non, là, ça fait trop bizarre, en fait. J'aimerais bien faire... voyez, en fait, c'est une simple... Peut-être un torn au milieu, là. Jamais je fais ça. Je sais pas trop, je pense pas que ce soit une bonne idée, là. Un
pas emmerdant. En fait, je voudrais faire... Tac. Ressortir un petit peu... Attends, truc, putain, là... Ah, c'est pas bon. Peut-être que je trouve une alpha qui va mieux, en fait. Hein. Avant d'aller directement là-dedans. Parce que finalement, moi, je voulais faire juste une petite... Ça brille un petit peu, vous voyez. Un peu comme ce qu'on trouve ici. Parce qu'en gros, on a vraiment un truc cylindrique. Et où on peut faire croire que ça, c'est plus grand. Et en dessous, c'est moins grand, etc. Quoi. Parce qu'en gros, on peut faire ça, vous voyez. Puis ça. Puis ça. C'est moche hein, pour l'instant, je sais. La peine de me le faire marquer. Hop. Ok. On a tendance à faire ça un peu. Et après, à venir enlever... On va le mettre en mode de fusion avant de trop continuer. Voilà, voilà. Et là au-dessus, c'est censé être arrondi. Poil trop grand. Donc on va venir là, hop, sur le côté. Et là. Ok. C'est pas si mal. Ok. Ça c'est un peu trop hardcore. On va le mettre en mode de fusion dans la couleur. Donc vous voyez, j'appuie juste sur C pour le mettre en mode de fusion. Peut-être pas bien de l'avoir mis en 100% blanc. On va le mettre comme ça. Déjà comme ça, c'est pas si mal en réalité. Mais on pourrait faire quand même un color dodge ou quelque chose de... Ok. Ça fait trop saturé là. Oh mais OMG, chaque année on a des orchidées sauvages qui poussent dans le gazon. Ma moitié n'a pas encore passé la tondeuse depuis cet hiver. Du coup, c'est le bordel dans le gazon, mais par contre, les pieds d'orchidées sauvages ont genre 5 fois plus gros que d'habitude. Trop bien! Génial, bravo, Charme. Bravo. C'est génial. Quel grain de beauté. Ça montre la beauté, hein. Franchement, c'est fou. Bravo. Les petits bruits, là. Peut-être reprendre la shape de tout à l'heure, dis donc. Je l'avais bien aimé, quand même, celle-là, là. Et pour aller là... Ok. Ok. On fait de la translucence un peu. Trop bien en tout cas, Charme. Trop cool.
Faudrait aussi ramener en fait un côté un peu... J'ai trop hâte de voler voir fleurir. Ouais, j'imagine. J'imagine. Trop trop cool. Le printemps, c'est vraiment la meilleure saison. J'aime bien, mais... J'aime bien aussi l'automne, moi. En fait, j'aime bien quand il fait pas giga chaud, quoi. Putain. J'ai trop pas envie d'être en été. Au secours, sauvez-moi. Ah, mais il est disable, c'est pour ça, putain. Je me disais, mais attends, mais... Tu comprends pas bien ce qu'il me dit, là. Ouais, c'est bien le printemps. C'est bien le printemps. En fait, moi, c'est ce qui m'a fait aussi sortir un petit peu ces temps-ci, là. Le fait qu'il fasse beau dehors, ça me donne juste envie de faire du vélo avec des douces. J'adore. Ça m'a pas donné encore l'énergie nécessaire à aller à la piscine. Mais peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Après, c'est plus l'été, hein, où j'ai envie d'aller à la piscine parce que j'en peux plus, il fait trop chaud... J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire quelque chose. Je suis trop agitée. Printemps avec toutes les fleurs qui reviennent, plus les arbres qui fleurissent, et le soleil et la température agréable, là, moi je surkiffe. Ouais, je comprends. Je comprends. En même temps, comment ne pas comprendre, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Non. Mais ça va pas au niveau de la couleur, là, en fait, ce que je fais, moi. J'essaye de faire des trucs, mais ça se voit. Enfin, genre, voilà, vous voyez le genre. C'est pas bon. On s'emmerde fort. Être un soft light. Un hard light. Normalement, c'est censé être une hard light. Hein. C'est censé être ça. Mais le problème, c'est plus ça, en fait. Ça devrait être au-dessus. Et ça, il est en multiply, mais il est trop fort. Après, en multiply, ça reste un peu... Ah, voilà. C'est un peu ça que j'attendais, vous voyez. Et après, ça, là... C'est pas mal. Ici, il y a encore un normal. En multiply, c'est mieux. Ça, du coup, c'est censé être un multiply. Ça, c'est censé être une hard light. Se calmer le cul sur le multiply, par contre. Même si en vrai, le fait que ça fasse ça, c'est pas mal. En dessous, il faut que ce soit pas gris, là, comme ça, c'est bizarre. Au moins un petit bleu là comme ça, ça pourrait être chouette. Comme ça. Voilà. Là on est pas mal. Et après en termes de colorimétrie, on n'est pas bien, mais seulement pour ça. Mais c'est pas tellement du fait de la colorimétrie, c'est plus du fait du paint que j'ai mis dessus. Je pense qu'il faut faire un truc mieux. Faut que j'aille mettre des petits piquets jaunes pour que ma moitié... Ne les tonde pas. Bah vas-y. Mets des petits piquets jaunes. Mémé. Non, ça fait penser à Titi et Gros Minet. Hein. Mémé. Ah mais non, c'est pas... Oh, c'est pas Titi et Gros Minet, c'est les Baby Looney Tunes, c'est parti. Comment j'aimais trop ce dessin animé quand j'étais petite. Oh, une dinguerie. Alors que c'est pas incroyable. Avec le temps, je sais que voilà, c'est pas incroyable, mais... Les Baby Looney Tunes, quoi. Fucking the days. Ouais, mais ça, c'est chiant, parce que, en fait, faudrait plus le mettre là.
Ou alors, sur le côté, ambiance, il y a des bubules, quoi. Après, si jamais je cherche des bubules, je crois que j'en ai un dans mon dossier. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Parce que je crois que je dois avoir des bubules, hein. J'en avais pris pour faire le... les texturing du truc de l'algide. Un petit spray là ? Il y a de la fraîcheur ? Pas mal en vrai. Non, pas si petit. Pas si petit. Non, c'est de la peinture là. C'est pas bon. C'est pas ça qu'on veut. On va prendre les bubules. Hein. Les bubules, où est-ce que j'ai pu mettre leur PNG alors? Allons-y. Oh. Ok, substance. Eh, punaise, bientôt on est à chef niche, dis donc. Faut qu'on se bouge. On se bouge le cucu. Tac. Mais en alpha. Et je les mets à tout jamais dans la shelf. Voilà. Et donc là, vous voyez les petites bubules. Moi, je pense qu'on va enlever du coup le splash que j'ai mis. Et on va se faire un peu chier la bite, mais pour le bien commun. Parce que vous voyez, les bubules comme ça, ça passe bien. Là, si jamais je fais ça. Alors, hop. Ah, c'est très peu nuancé, hein, quand même. Parce que toi, t'es en... Ah, mais non. Ok, d'accord. Juste pas très... Faudrait lui mettre un petit coup de level, quoi. Sinon on peut faire ça, quoi. Paf ! Mais ça va jamais dans le... vraiment dans le bleu comme je voudrais. Bon, c'est pas grave, on pourra voir ça plus tard. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, là. On peut les voir un peu plus après, quoi. Ok, du coup on revient au-dessus. Tac. Merde. Bon, là c'est un peu trop. Faut se calmer peut-être. Paf, je vais mettre un jitter d'angle up et de flow et de size. Parce qu'en fait, ça nous permettra de faire une bulle comme ça, vous voyez. Et là à chaque fois elle est... Voilà. Ah mais attends, par contre tu vas te calmer. Hot spacing. Et frérot, tu es cringe. Okay. Bon, au moins comme ça marche. Et là donc on a un petit jitter. Ce qui veut dire que ça va varier en fait la taille de mes petites bubules. Donc voyons, on sait plus en fait... on sait globalement plus si jamais ça c'est une bubule de tel truc, une autre et tout. J'ai 4 bubules différentes et en fait finalement... Par contre le size jitter, je veux plus de size jitter. Voilà. Voyons, on pourrait faire ça. Plus votre brush est scale grand, plus le jitter scale en fonction, en fait. C'est un multiply.
un multiplicateur. Ça me dérange toujours ce truc là. Un petit peu verte là l'eau. Vous voulez la boire, ça y est? Allez, buvez un peu de cette eau et je vous jure qu'elle est fraîche. Non mais attendez. Voilà. C'est pas l'eau des marais, hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est l'eau du lagon. Là-dessus, hein. C'est juste que d'en haut c'est moche. C'est ça. C'est toi là. Toi. Paf. Si jamais je fais ça là. Paf. Ouais. Contrôle Y, on refait. Alors... Ah merde, putain, attends... Paf. Ah mais non, elle est au-dessus. Non, c'est ça. Normalement, t'es censé. Ah oui, mais non, parce que en fait. Okay. Là, c'est bon. Ok. Là, il est en mode. Et c'était le rond. Un poil trop anguleux ici aussi. Comment est-ce qu'on pourrait atténuer les angles qui sont là? Juste que ça donnerait si jamais je faisais ça. Finalement c'est bien mais en même temps... Ouais comme ça c'est mieux. Ok. Allez, du coup notre petite bubule et tout. Le retour des bubules. Bubules. Après, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, on les voit un peu trop, nos petites bulles, ce qui est normal. On va devoir leur donner un peu de profondeur pour qu'elles soient à l'intérieur hein, de notre truc d'eau, là. Et qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'elles sont
à l'intérieur là, actuellement. On a l'impression qu'elles sont collées au-dessus. C'est normal. C'est normal. La profondeur, elle se fait avec des gradients. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la fais. Là, ce qu'on va faire, c'est... Oui, on pourrait même faire quelque chose comme ça. Récupérer une autre bulle. Voilà. Il y a plein de bulles. Enfin, il y en a de plus ou moins de flot, d'ailleurs. Vous voyez, en fait, il y en a des plus ou moins transparentes. Ça aussi qui va nous donner... Voilà, plein de bulles. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Pas autant de bulles que ça. Et on pourrait en enlever, par exemple. Vous voyez ? En enlever, et du coup, ça ferait un côté. Il y en a en plus au-dessus ou en dessous qui cache un peu. Vous voyez ? On pourrait faire ça. On pourrait aussi gérer ça. Hop. En gros, en mettant ce calque là en dessous de celui-là. Alors déjà là, vous voyez, bon, c'est un peu plus à l'intérieur déjà. Et du fait que ça, ce soit en multiply et que ce soit par-dessus. Et en fait, ça efface un petit peu. On pourrait même le mettre en normal. Ça serait même mieux en normal. Comme ça, ça réagit même pas aux bulles. Vous voyez, ça les recouvre juste. Pas si mal. Et ensuite, alors lui il est en multiply aussi, et on pourrait le remettre en mode normal. Et du coup, il viendrait cacher une partie des bulles. Parce que... Oui, il est... Après je pense que c'est juste qu'il est pas... Il faudrait pas qu'il soit en mode multiply. Je pense qu'il peut réagir aux bulles, mais il faudrait qu'il réagisse mieux. Genre, par exemple, en Darken, c'est pas mal, parce que du coup, il cache les bulles, mais par contre, il vient pas impacter, vous voyez, le bleu qu'il y a. Vu qu'il est pas plus sombre, il est égal. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on pourrait réduire quand même l'opacité, parce que c'est... Là, c'est un peu trop intense. Après, on pourrait... En réalité, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est ramener du Darken comme ça, au niveau de l'intensité. Venir ici, surtout ne pas toucher à la value, parce que le Darken c'est par la value et aussi en partie par la hue en fait qui serait. Je crois que la saturation. Ah si, ça change quand même pas mal de choses finalement. Oui, parce que ici il se rapproche du bleu et là il est plus dans les teintes blanches et noires et donc après ça se gère juste comme ça, la galère, l'enfer. Ok. Donc le Darken, ça veut dire qu'il a trois informations à l'intérieur, ça doit être pas aussi simple que ça n'y paraît. On va essayer comme ça. Ça fait un peu moins de saturation. Intéressant parce qu'on voit à partir de quel moment ça impacte le milieu là. De toute façon, on se rend bien compte hein, que ça va pas être vert comme ça. Voilà. Et donc là, on peut remettre à 100%, vous voyez. L'important, c'est juste que nous, on règle la couleur qui nous plaise, ici, en fait. Pas que ce soit pas géré par le logiciel, mais plutôt par nous, directement à la main. Oui, je pourrais mettre un peu plus... un poil trop. Yep. On devrait les rééclaircir. Voir le resaturer un peu. Comme ça. Pas mal. On devrait lui mettre un petit... Peut-être un petit filtre ici.
pourrais mettre... Tu manges quoi de bon à midi ? Eh ben, je sais pas encore, Doudou. Je sais pas encore ce que je vais manger de bon. Je sais pas encore ce que je vais manger de bon. Je vais peut-être... Je regarde ce que j'ai un peu plus en profondeur. Je pense que ça va être un truc très basique, hein, parce que j'ai pas très faim. Peut-être aussi le stress de pas avoir beaucoup dormi cette nuit, ça coupe un peu l'appétit, je trouve. Ensuite, je peux juste lui mettre un level. Hein. Pourquoi je me suis emmerdée là comme ça ? On pourrait revenir un peu plus comme ça. C'est pas mal. Bien. Peut-être un peu... Je sais pas. Je mettrai ça et puis après un blur. Et toi, tu manges quoi du coup? Parce que tu m'as dit ça pour que tu puisses me dire... tu puisses me flexer dessus, je te connais. Hard flex. Aucune idée. Ah d'accord, ok. Ça marche. Ok. Ça c'est pas mal. Ouais, c'est bien là. Ok, alors on peut rendre compte que ça brille un peu trop. Vous voyez, il y a plein de choses là, on s'emmerde. En fait, c'est parce que toutes, elles ont les informations de Rof et tout, on en a vraiment rien à secouer. La Rofness, on veut pas qu'elle soit très intense sur ça. On veut même pas qu'il y ait d'informations, par exemple, au niveau de... Ah si, en fait, on pourrait mettre ça et lui mettre un poil moins brillante. Voilà, c'est tout. Comme ça, ça fait naturellement, vous voyez ce que j'ai essayé tout à l'heure faire avec... avec la lumière. Ok, on n'a pas prévu de truc pour le lendemain midi, mais du coup je ne sais pas quoi me préparer. Ah oui d'accord, hier soir t'as préparé un truc et... Enfin... Voilà. Coucou du texte, ça va toi? Comment qu'il va? Oui ça va. Tranquille. Doucement quoi, doucement. Il vient de faire un distributeur à eau. Good morning, sunshine. Salut, sunshine. Ça peut aller. Bon. Si ça peut aller, c'est pas mal. C'est pas mal, déjà. C'est même plutôt bien. On fait aller. Il y a un petit bébé chien, ouais. Effectivement. Effectivement, il y a un petit bébé chien, vous l'avez bien vu. Il est là, monsieur Vutex. Le bébé chien. Et putain! Stop! Obéis-moi! Ok. C'est pas si mal, mais il faudrait faire autre chose. Tu t'es bien reposée, j'espère, Mumu. Alors, je me suis bien reposée hier. J'ai fait des trucs de mon côté et tout. Et cette nuit, j'ai fait une insomnie. Ouais. Oublié. Pourtant, l'envie était, hein. L'envie était de là, de dormir, mais... Encore, il avait pas envie, alors... Alors j'ai fait aller. Comme on dit. Ah, c'est marrant cet effet. Hein. C'est pas fait exprès, mais j'ai limite envie de retravailler ça, quoi.
petit côté fleur là me dérange moins qu'avant. Ouais, j'aime bien là comme ça. On va laisser comme ça. J'aime bien. Rigolo. Allez. Mais du coup, ouais, je me suis basiquement reposée. Vraiment basiquement, quoi. Et finalement. Finalement, surprise. Surprise, en fait, la vie c'est de la merde. Et hier soir, j'ai pas réussi à m'endormir. Voilà. Ah, je m'excuse auprès de toute la communauté. Pardon. 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 J'aurais voulu être une artiste. J'aurais voulu réussir à dormir plus. Mais je n'ai pas réussi. Et du coup, je suis un peu claquée aujourd'hui. Mais ça va parce que je suis juste un peu claquée. Pas tant que ça, donc. Ça va. Désolée pour toi, Mu. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Bolek. Bolek, bolek. Calme-toi, la musique, calme-toi. On va skip. Je skip. Non, pas toi. Ok. Tu vas jouer à Dragon's Dogma 2, tu penses? Franchement, j'ai un peu envie. J'ai envie, mais je suis pauvre. Avec quel argent? C'est compliqué. Mais oui, j'aimerais bien. Très chouette. Dragon's Dogma, quoi. Le Dragon Dogme. Le Dragon Dogme 2, quoi. L'argent des abonnés. T'as testé le créateur de personnages. Mais avec quel argent? Avec quel argent, Vutex? Je sais qu'il y a votre argent, les enfants. Mais c'est... Enfin... It's not sustainable. Je vous aime très fort. Merci beaucoup pour votre soutien. Potato, va. Pourquoi pas besoin d'argent? Ah, le créateur de perso, c'est gratuit. Putain, je suis trop con. Ah oui, bah oui. Bah, let's go, alors. Chaud. Chaud, chaud. Ok. Je suis chaud. Le potato. Let's go, mec. Let's go. Let's go. Bah, je verrai si jamais je le fais un peu plus tard, du coup. Mais aujourd'hui, je vais jouer à Stardew. Avec des potes dev. Incroyable, non? Oui, en plus il y a apparemment une grosse mage. Envie de voir la mage. Je ne parle pas de Gail, hein. C'est donc ça, être en dépression. Merde. Attendez. Voilà. Ça m'a l'air pas mal, hein, comme ça. Et il prend cher même quand il est pas là. Ah oui. Stardew Valley. Oui. Skin il prend cher. Eh, c'est bon. J'ai fait les miniatures, il m'a mis une clim, le bougre. Ça suffit maintenant. Maintenant, gueux. Y en a marre. Drink some water. Touch some grass.
On va pas tarder à passer au chef Mich en plus là. Touch some grass. On le fait en métal le truc en dessous là. Pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Poppy, 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 papa, papi, mon papa. Elle est belle notre fontaine à eau, je crois. On s'en sort quoi. Pour rajouter un paint par-dessus ça. Pour prendre un pinceau. Faire quelque chose de très diffus, donc très grand. Et venir effacer quelques petites bulles. Comme ça, on a l'impression qu'elles sont au plus profond de l'eau. Regarde, par contre, ça a effacé plein de bulles là, non ? J'ai fait. Ah, ou alors c'est juste là. Paf ! Les bulles. Merde. Ah ouais, ah, ça efface bien là. Plus la merde, plus la merde. Objet. Vous avez compris que c'est ce que vous pouvez faire si jamais vous voulez que ça se voit moins. Tu fais presque la voix de Merge en ASMR. Mais comment ça? Merge! Comme ça, là. ASMR... Merge! J'ai pas lu. J'ai pas suivi. Parce que je suis un peu déco de la vie, là, aujourd'hui. Touch some grass. Touch some grass. Get out. Toucher de l'eau. Ok, toucher de l'eau. Toucher... Non, mais toucher de l'herbe. Oh putain, vraiment, je vous jure, ça me fait flipper. Hein. Vraiment, je fais un AVC constant là depuis tout à l'heure. C'est très grave. Hein. C'est vraiment très grave. Hein. C'est... On va passer à Chef Michel, hein, je crois. Je vais dormir toute ma vie cet après-midi. Et je vais revenir pour 16h30 et je serai en forme. Mais là... I swear to you... j'ai pas fait... Enfin, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, d'accord ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais rien. Il se fout de moi. Yo, bro. Quittez, toi. Quittez, quittez. Oh. Ah non, vraiment, alors ? Alors, on a décidé de faire comme ça, quoi. Casser les couilles. Oh, mais fils de pute ! Non ! Putain, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. C'est bon. J'en ai moins ras le cul. Oh, il y en avait marre. Oh, oh. Tu putain ta mère. Ok. C'est bon. On prend cher les mamans. Non. Pas du tout. C'est toujours, toujours en train de dire des mensonges. Hein. Du texte, ça s'arrange pas. Hein. Tu dis toujours les mensonges. C'est grave. Merde. Oh là là. Oi oi oi. C'est la vie de râler, hein. Vous savez que c'est la vie de râler. Moi je râle, c'est pour vous hein, que je fais. Pas pour moi. Hein. Bon, je crois que c'est bon. Allez. On se barre. On se barre, on se barre, on découpe. On découpe, on découpe. Ok. Faut que je mette une métallique à zéro, une roughness dans ta mère. Et éventuellement, voilà, une petite couleur un peu sombre là comme ça. Brosson quoi, envie de dire brosson. Multiply. Oh, wow, wow. Stylé. Rajoute un black mask. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire là dans le chat? Rien, non? Ah, ah, ah. Ah voilà.
Alors du coup, on a notre petit bac. Moi, je parle pas du petit bac comme celui que vous parlez, enfin parce que on n'est pas sur la même planète en fait. On n'est juste pas sur la même planète. D'accord. Donc vous arrêtez, hein. Vous arrêtez tout de suite. Ah, parce que je vous entends déjà un petit bac à pied. Ah putain. Vraiment, c'est ça m'insupporte. Ça m'insupporte, tout simplement. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Allez, je me sauve. Des bisous aux serettes et des bisous aux zoulettes. Salut Nesta. Ouais, ça te plaisait pas de m'entendre me plaindre ? Non, je comprends pas. Très bien. Du coup, ça c'est pas mal. Il est joli, non ? On dirait un peu, il nous sourit et il a deux dents d'hippopotame. Je vais préparer à manger pour mon ex. Il y a quelque chose d'un peu triste dans cette phrase, j'ai l'impression, mais peut-être n'est-ce qu'une impression. Plastique. C'est un Pokémon. Oui, le Pokémon de type, bien sûr, feu. Ha 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 ha, je vous ai pranké. Je voulais dire un Pokémon de type eau. N'était-ce pas un peu malinx de ma part ? Allez. Vous savez ce que c'est que la complémentaire du bleu, vous ? Allez, on réfléchit. On réfléchit. La complémentaire du bleu, c'est... Allez, et si vous trouvez la bonne réponse, on regardera Chef Michel. Un peu oui. Ne crache pas dans son plat. Ok, c'est juste une impression. Juste une impression, ça marche. Même si je suis pressée qu'elle parte du coup. Mais aujourd'hui, dernier jour normalement. Ok, chouette. Très chouette. Pour le coup, on s'entend très bien. Bravo. Nice ? Non, Montpellier ! Tu n'as rien suivi ! J'en ai marre, hein. Vraiment, Charne, elle suit rien du tout, hein. En plus, c'est marrant parce que t'as dit Nice avec un N majuscule. Montpellier, pas Nice. Tout le monde la troll, ça me tue. Ok, couleur complémentaire. Bah, puisque vous me répondez pas, moi je vais vous le dire. Bleu, puis c'est pas comme s'il y avait personne, hein. Là, il y a des gens, hein. Ils sont juste cachés. La complémentaire du bleu, c'est le orange. Frérot, tu es cringe. Si elle suit ta chaîne, c'est l'orange. Ah voilà. Eh ouais. Eh ouais, mais voilà, moi j'avance, c'est de votre côté. De votre côté, vous essayez, voilà, d'aller de voilà, loin. Putain, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? je vais pas que me plaindre. Non, mais je vous entends là. Meilleurs exemples, c'est les affiches de films Star Wars. Oui. Non, moi je clairement. Crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. De chagrin. De chagrin, les gars. Tu es triste ? Arrête. Oui. Coucou. Coucou. Allez, bisous. Salut, Nesta. Et du coup, oui, c'est le bleu et le orange. Et du coup, je peux vous donner un petit tips rapidos. Quand vous mettez du bleu très clair, ça donne l'impression à l'œil que c'est encore plus blanc que le blanc. Je m'explique. Quand vous mettez en C, là, en couleur, vous mettez ça, et ben, il se peut très bien que vous mettiez un bleu très clair, un peu comme ça. Et qu'en fait, en fonction de ce qui se trouve à côté de votre objet, on a l'impression que c'est encore plus clair que le blanc. D'accord ? Ça, c'est joué juste sur la perception de l'œil. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller vers les oranges. Orange, hein, comme ça. Et de prendre un blanc légèrement écrémé, voyez ? Comme ça. Et donc, on va venir sélectionner notre truc. Vous voyez, ça se voit quasiment pas, hein, en réalité. Et on va venir sélectionner... Pourquoi ça marche pas, toi ? Pourquoi t'es con ? Pourquoi t'es un sale petit con ?
oui, d'accord. C'est parce que la métallique qui est derrière. Il faudra qu'on change le gris du métal. Et du coup, bah, je viens régler ça, là. Pif. Boum. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Waouh! Comme c'est la complémentaire, l'une de l'autre. Je vous mets en C pour que vous puissiez voir. Comme c'est la complémentaire l'une de l'autre, cette version-là du bidon d'eau, elle est plus lisible. Merde. Que une version qui serait comme ça. Voilà. Mais pourquoi? Parce que du coup, ça dépend plus. Ça dépend plus de. Robe et or et bleu, voilà, c'est ça exactement. Robe, or et bleu. Parce que ça dépend plus de l'œil, ça dépend plus de la lumière. Le blanc tout court, ça reflète trop la lumière. On peut pas mettre du blanc 100%, du coup, souvent on met du gris un peu comme ça. Et au lieu de mettre un gris comme ça, mettez un tout petit peu de couleur dans votre blanc. Voilà, faites-lui avoir un petit orange, un petit truc un peu complémentaire au reste de votre objet. Vous verrez que votre objet, il en ressort que meilleur, quoi. Oh, mais aussi, restez en saturation maximale, vous voyez, comme ça. Et du coup, finalement, en fait, vous allez juste changer la saturation, mais pas la value, parce que la value sera toujours en blanc. Donc, par exemple, si jamais là, maintenant, je décide de mettre un noir et blanc au-dessus de tout le monde, genre de mettre un filtre noir et blanc, hein, et un filtre noir et blanc. Je peux juste faire un truc comme ça et de le mettre en saturation. F. En fait, vous voyez ici que le fond est quand même blanc, en fait. Voilà. Simplement parce que je suis venue ici et que... Alors, attendez. Oui, c'est bon. Parce que j'ai changé que la value. Que la saturation et pas la value. Donc, ça restera en blanc. Vous voyez? Voilà. Donc, ça ne change rien globalement aux choses, à part que c'est un peu plus lisible. Et c'est un peu plus esthétique aussi. Un poil plus chou, ce que vous êtes en train de faire là. Non, je vous connais. Vous êtes en train de faire quelque chose d'un petit peu chou. Et on pourrait venir aller chercher aussi pour le bac qui est là. Vous voyez, le gris tout court, moi, ça me fout. Hein. C'est comme en digital painting. Hein. Vraiment, le gris tout court, ça me met un cafard. Bah. Au moins teinter un tout petit peu, hein, ce serait pas mal. Voilà. Voilà. Et comme ça, si jamais on est en mode couleur, bah ça donne ça. Et en vrai, bah c'est relativement lisible de très loin, quoi. Walou. Walou. Bon, on va passer à Chef Michel. Du coup, je vais vous envoyer un poll. Avant, on va dire au revoir à YouTube. Comme ça, il n'aura pas à réécouter encore cette question que je vous pose tous les jours. C'est pas mal. Celle-ci, je sais pas si jamais on va la laisser comme ça. En fait, faudrait que la bouche d'égout qui est là, elle soit un poil plus claire. Soit un poil plus foncé, soit un poil plus clair. Mais en gros, qu'elle se détache plus du reste. Parce que vous voyez là, les pavages qui sont là, je trouve qu'ils sont trop semblables à elle. On verra. Oui. Du coup. Hop. Aujourd'hui, on essaie de texturer des trucs. YouTube. J'ai donné la max. Au revoir YouTube. A plus. Pense à t'étirer et à boire de l'eau. Effectivement. Touch some grass. Touch some grass. Touch some grass.